Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page. Le Front Page, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Trois fois par mois, nous revenons pour vous débriefer, analyser, commenter ce qui fait le sel de cette actualité avec de la joie, de la bonne humeur et une touche d'humour pas piquée des hannetons en compagnie de l'ami Corentin. Salut! Tu vas bien Bah oui, et toi Et ça va très très bien. Je, je sens l'accent la, du Sud qui revient ouais, dans les spontanément, podcasts ouais, spontanément parce que le soleil et revient le lui soleil aussi. Mais c'est incroyable. Hein. Et, nu, et je pense que, que tous, les gens, le tous, les, tous les gens du Sud ont fini par nous détester à force, c'est-à-dire tous les gens vivant en dessous de Paris. Pas. Dans la Comu Comics, il y a quand même un certain influenceur qui montre que l'accent est réel et pas du tout un fantasme. Oui, mais du coup, nous, on est un peu insultant par rapport à cet accent, je, je crois. Sais pas. Bon. De référer, de, de, de référer, voilà, ça, on devrait faire, on devrait faire, voilà, ça dit que c'est une référence. Bref, Corentin, on va commencer. Ce sera un petit front page pour une fois, voilà, c'est la détente. Hein. Toute façon, avec tous les week-ends, enfin tous les week-ends de jours fériés à, à répétition, forcément l'actu est un peu plus calme aussi de ce côté, puisque ben ça fait quand même quatre jours en moins que les gens ils travaillaient pas en France, du coup. Vrai. Bande de branleurs, hein, il faut le dire quand même. Vive la réforme à 64 ans, ça fait plaisir. Moi, j'ai trop mais hâte oui. de pouvoir crever euh, sans avoir jamais pu me reposer avant. Mais on n'est pas là Et pour mutuel, j'en f... tue... bah, bah, ai jamais Et eu ça. Est belle, j'en ai jamais <laughs> eu de toute façon. <laughs> Allez, Corentin, du côté des comics, donc. On on commence à éplucher des patates, effectivement, mais aussi à le programme éditorial non, bah là, de. C'est je... oh, ça, voilà. Si tu peux oh, arrêter. Je en train d'éplucher des patates. Toujours, <laughs> il est. Toujours, il est... En fait, faut est savoir ça. Que... le podcast qu'on faisait aujourd'hui. D'accord. Euh, Très mais bien, il faut, merci Arnaud. faut savoir que Corentin adore faire la cuisine pendant qu'on enregistre nos Exactement. émissions, ce qui donne à la fin de très bons petits plats que l'on discute après avoir enregistré on devrait faire une émission sur Twitch en fait où un peu à la maïté tu sais tu présenterais les plats comme ça pendant qu'on parle de comics voilà alors sachez t'as pas eu l'air de truffe je vais de parler d'une émission c'est ça voilà et donc le foie gras de canard paf avec du Grant Morrison c'est très très bon C'est du tout du tout qu'est-ce que je voulais dire donc bref on arrête de faire des digressions on ne fait que ça depuis deux minutes et ça devient très lourd Corentin J'avoue. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas pris assez de coca avant de faire ce podcast Je ne sais pas. Bref, le programme éditorial de Delcourt Comics. Ed Brubaker, Sean Phillips, comme toujours, sont au rendez-vous chaque semestre, chaque trimestre même hein, chez Delcourt. C'est une valeur sûre, puisqu'il y a le cinquième album de la série Reckless, mais surtout leur toute euh, nouvelle nouveauté, j'ai nommé Night Fever, qui ouais. ne parle pas de disco. Euh, bah, soit parle du monde de la nuit donc quelque part il y a probablement des boîtes de nuit dedans ou peut-être que les gens dansent le discours on ne sait pas euh, Night Fever j'aurais du mal à en dire plus que ce qu'on a déjà dit dans les podcasts précédents parce que c'est pas encore sorti en, oui. en VO ça sort le 14 juin donc là, ils ont quand même fait très fort pour être le plus proche possible de, alors ça doit pas beaucoup de pages, du coup, je pense, parce que, ils le sortent, quoi, en automne, en octobre. Oui, mais après, tu sais, les fichiers, il suffit qu'ils les aient suffisamment en amont, et puis ça, ça peut se faire, Oui, c'est possible, ouais. En enfin, tout cas, voilà, ils vont, ils vont faire assez vite, donc, parce que de juin à octobre, il y a que quelques mois. Quatre, pour être précis. Donc, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, même si, encore une fois, je sais pas si ce sera un très bon album, on peut s'en douter, puisque c'est un, un duo qui se foire assez rarement, quand même. Donc c'est l'histoire d'un businessman américain qui est en voyage d'affaires en Europe dans une capitale et qui, euh, euh, incapable de trouver le sommeil, va suivre une jeune femme mystérieuse dans les rues de cette capitale et dans le monde underground où les gens un peu fortunés euh, font tout un tas de trucs bizarres derrière des masques, à la Iswatchat et tout. Donc voilà, ça peut être très sympa, un peu thrillerisant, un peu peut-être voilà plus suffocant que d'habitude. Reckless, ça reste, euh, oui, ils sont très belles tes lunettes Arnaud. Reckless, ça reste. Il joue avec ses lunettes pendant que je parle, c'est très déstabilisant. Reckless, ça reste euh, bah, une très bonne série, une valeur sûre. Là, c'est donc une histoire qui se passe en parallèle de *The Ghost in You*, euh, le fantôme toi, Je crois que c'était traduit en, en VF, euh, qui s'intéressait à Anna, l'assistante la, de Ethan, enfin la meilleure amie assistante d'Ethan, de qui menait une enquête de son côté dans une maison hantée pendant que Ethan lui-même était à San Francisco euh, pour, euh, voilà, essayer de retrouver une femme disparue en parallèle d'un des plus gros séismes historiques de la Californie, euh, parce que bah, San Francisco qui est sur une plaque tectonique, euh, tectonique, pardon. <laughs> Qu'est-ce qu'il y a J'ai rien dit. Ouais, bah voilà. euh, donc ouais, c'est toujours de, de très bonnes valeurs sur euh, la série Directless qui se poursuit. C'est assez impressionnant de voir ce que John Phillips a... Alors pas tout seul, parce qu'évidemment, comme on en euh, avait parlé avec lui quand on l'avait vu, Jacob Phillips, où je lui disais que selon moi, son père se reposait un peu plus sur lui depuis qu'ils euh, avaient pris leur marque en commun en tant que trio plutôt qu'en tant que duo. Et je trouve que ça se voit beaucoup sur la série Directless qui va de plus en plus vers le minimalisme et l'épaisseur du trait parce que c'est pas aussi détaillé qu'avant, ou même aussi détaillé qu'ont pu être les Criminals le précédents, par exemple. Euh, parce que c'est une cadence qui est, qui est plus rapide, c'est un tome par an, voire même maintenant un tome tous les 8-9 mois, plus Night Fever en parallèle. Euh, on peut le regretter, on peut trouver qu'effectivement c'était mieux avant, comme on dit, mais en même temps bah, ça permet d'avoir beaucoup plus d'albums et toujours de, de super qualité. Donc euh, voilà, merci Delcourt, j'apprécierais encore une fois des plus grands formats, si tu m'écoutes, toi monsieur Delcourt, Guy euh, non, cette Thierry mort euh, plus. Oui, euh, je s'occupe de, de cette ligne contrebande. On n'est pas contre les grands formats, je, tout ce que j'ai à dire. Je sais que euh, Bob Baker et Philips insistent sur ce fait, le fait que ça respecte la, la taille des standards américains de chez Image. Très bien, mais c'est des belles BD, donc on a le droit avoir des, des beaux formats aussi. Et je crois que les intégrales de Criminels sont un peu plus ouais, euh, un peu plus tout grandes. Tout là, donc, euh, mais comment VO aussi Peut-être attendre. Alors, je sais pas si c'est prévu de faire des intégrales réclass à terme ou pas, mais... Euh à voir. Bon, enfin, pour l'instant, de toute façon, euh, intégral, il n'y aura que si la série est soutenue suffisamment. Donc, pour l'instant, de toute façon, le... Oh, cinq euh, tomes, bon, ça va, quand même, tu vois. Hein? Cinq tomes, ça va, Oui, non, bien sûr, mais je veux dire que... Enfin, par rapport à Texas Blood, on peut imaginer que le lectorat est plus présent sur Reckless que d'autres productions indées. À voir. Enfin, je je sais que c'est le... pas d un des très gros vendeurs, malgré leur qualité, Broubecker et Philips en mmh. France, de sources relativement sûre Mais, euh, ça fait partie des enfin, des forces du catalogue Delcourt aussi, en comics, tu vois. Ah oui, bien sûr. mecs qui sont toujours là, depuis dix ans et tout. Yes, et On vous rappelle qu'on a fait un long podcast sur Ed Baker Si jamais vous vouliez arpenter, découvrir cet univers de polar en comics, donc c'est disponible parmi toutes nos émissions. Vous tapez Brubaker sur le moteur de recherche du site, vous devrez tomber facilement dessus. Du côté de Glénat, on va cette fois. et Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, puisque vous le savez, Glénat Comics n'existe plus depuis que Olivier Jalabert, qui était son directeur éditorial, a quitté les éditions pour aller faire de la bande dessinée chez Dupuis d'ailleurs c'est des titres qu'on aborde parfois parce qu'il y a forcément une empreinte euh, très américaine en tout cas et très BD de genre même aussi un peu comme ce qu'on retrouve avec du Sylvain du Sylvain Repos ou du Label 619 donc voilà c'est une BD qu'on aime mettre en avant mais donc chez Glénat on continue par contre bien sûr de travailler avec des dessinateurs de bande dessinées américaine de comics ou de des, des auteurs européens en l'occurrence qui ont travaillé pour le marché américain de sorties à venir cet été pour la fin du mois d'août qui me semble pertinente euh, qui me semble en tout cas pertinent d'aborder dans First Print tu me diras ce que t'en penseras c'est pas ah ouais Non, je suis d'accord. Ah d'accord. <laughs> J'allais dire, waouh, le mec euh, Donc la première, bah c'est euh, le retour à la à, en France de Charlie Adler, puisque son euh, Damn Dan Hall avec Size Spurrier a pas encore trouvé de repreneur en VF euh, chez Boom Studios. Mais donc là, on est vraiment avec un album euh, dessiné par Charlie Adler, donc le monsieur qui a illustré à la suite plus de 150 numéros de The Walking Dead de Robert Kirkman, qui euh, s'associe au scénariste Eric Anna, qui a déjà fait du comics à la française en fait, puisque chez Delcourt notamment, il avait fait la série Badass qui était dessinée par Bruno Bessadi, qui a fait l'Ogre Lion chez Dracou. Wow. Vous voyez, tout est lié, tout est absolument lié. Et donc les deux euh, reviennent sur un projet d'album en récit complexe s'appelle Altamont, et qui donc euh, retrace le parcours de d'un groupe de d'un groupe d'amis de potes dans l'Amérique euh, donc de 1969 qui vont se rendre à Altamont qui était donc un festival de musique gratuit organisé à l'initiative des Rolling Stones et qui se voulait être à l'époque le le contre Woodstock enfin une proposition équivalente à Woodstock et vraiment à ces festivals gratuits qui qui existaient euh, à l'ère hippie, euh, beatnik et tout ça, euh, baba cool que nous n'avons pas connu évidemment et pourquoi ce festival est resté dans les mémoires parce qu'il marque en fait, généralement, on s'accorde à dire que ça marque la fin un petit peu de, de l'innocence, on va dire, de l'époque hippie des États-Unis, puisque euh, c'est un, un, un concert déjà qui était mal organisé euh, et pour lequel, en fait, le, le service de sécurité qui avait été recruté, c'était les Hells Angels, donc euh, un groupe de, de motards, sauf que euh, en fonction de la côte américaine en fait euh, les différentes factions des Los Angeles sont pas les mêmes et, sont pas et ont pas forcément le même euh, comportement et euh, comme le concert était organisé en fait comme dans une sorte de, de fosse en fait par rapport c'est un circuit d'un de, de, circuit de course qui était pas vraiment fait pour ça et qui était un peu euh, en, en fosse en fait la scène était entourée de, euh, de dizaines de milliers de personnes et avais les Los Angeles en fait qui étaient sur scène et autour et qui littéralement mettaient des coups de, euh, de, des, des coups de poing et des coups de euh, queue de billard en fait aux gens qui essaient de nous grimper sur scène des gens en plus qui prenaient tous de la drogue les Hells voilà Angels qui étaient. Donner, non, non, mais attends, les Hell's Angels qui étaient payés en bière, en fait. Ils étaient rémunérés littéralement en bière. Et donc, ça a fini par euh, quatre morts, dont un gars qui s'est fait, qui a ramené une arme à feu et qui s'est fait planter euh, par un, un, un des membres de la sécurité. Ça a été filmé euh, par les caméras d'une du, du, équipe de tournage qui devait faire un documentaire euh, justement sur le festival et sur la tournée américaine des Stones euh, qui s'appelle euh, Shelter quelque chose, un truc comme ça. C'est un, un, un des titres de. Euh, euh, de bah, des, des Stones de nouveau et en fait bah, un concert qui a euh, marqué euh, l'époque et qui a aussi même marqué les, les Rolling Stones à l'époque puisque leur musique a quand même changé euh, entre temps et donc vraiment c'est euh, on suit euh, donc un, un groupe de jeunes donc euh, qui sont soit des hippies soit un, un ancien mec qui est parti faire le Vietnam soit justement un type qui est que à la recherche de drogue et Kim on est va shelter. Un, Guillaume Michel. Guillaume Michel, merci. Ouais. Et donc, euh, on va vraiment suivre leur parcours euh, sur la route euh, pour aller à ce festival et sur place qu'est-ce qui va se passer, sachant que c'est pas documentaire puisqu'il y a quand même un récit de fiction et même un aspect un peu polar euh, puisque il, il, il y a une intrigue qui sera développée autour de ces personnages, mais ça permet d'avoir du Charlie Adler aussi qui est dans de la couleur dans un esprit très pop avec l'utilisation notamment ben, de euh, de trams pour faire un peu pop art façon. Euh, comment il s'appelle le pape du pop art de nouveau Liechtenstein yes merci oh, Jack exact. Kirby plutôt mais Liechtenstein c'est vraiment Liechtenstein que, que je pensais <laughs> euh, c'est très bien franchement c'est super bien dessiné parce que moi je vous avoue à l'heure où on arrive sur ce podcast que j'ai eu la chance mais c'est dans lui, le secret des dieux oui et complètement de l'avoir déjà lu donc vraiment et donc c'est vraiment quelque chose c'est très, très 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 ricain quand même hein, de, de, de toute façon Hum? Tu me l'envoies avec... Oui, il le faut. Euh, et euh, ma foi, bah, ça arrive donc euh, chez Gléna. Euh, pour l'été arrivant, c'est quand même plutôt cool de voir Charlie Adler faire euh, de la franco-belge, même si euh, pour le coup, bah, c'est de la franco-belge, mais euh, très américaine. Oui, bah, c'est vrai, le pitch fait très run, je trouve. Enfin, fait très euh, pitch de low Reader, tu vois, ou album complet, remarque. Euh, enfin, doggy, on va dire. Euh, effectivement c'est un sujet qui est assez intéressant et ça peut être euh, très bien traité on va voir comment en fait, du coup moi je l'ai pas lu donc je peux pas formuler un avis sur la qualité du truc mais le scénario est intéressant euh, bon, effectivement adler au départ c'est quand même un auteur européen hein, c'est un mec qui et est britannique. Riton, ouais. hein, mmh -hmm. il a fait du tout aux années avant ça et il a déjà fait pas mal de choses euh, qui sortaient un petit peu de la de la case dans laquelle on l'a enfermé avec euh, O'Kinnell qui est justement oui. ce côté un peu roman graphique horreur et hein, en noir et blanc avec ce, ce cet ancrage un peu ciselé. Sachant qu'il a déjà fait d'ailleurs des oeuvres pour le marché français aussi, hein. c'est pas sa première. Oui bien sûr, même s'il a eu des influences plus peules par, par moment et tout, donc euh, moi j'avoue je suis assez, assez curieux de ce projet, c'est un beau métissage euh, qu'on nous propose et pourquoi pas, ouais encore une fois les barrières comics et franco-belges n'existent que dans nos têtes en vérité, enfin il y a des disons qu'il y a quand même certaines BD que tu peux vraiment mettre dans une oui, case bien sûr. sans jeu de mots euh, mais là on est sur un projet effectivement hybride en tout ouais, cas il ouais, je... ouais. faudra voir ce que sera du grand format quand même hein. c'est c'est presque du A3, euh, du euh, du 24 32 là c'est donc sera un album assez grand la, 100, la pagination 100, 100, du coup. Ouais, 120 pages à quelqu'un. 120 pages, oui, bon, c'est plus comme du coup. oui oui, non, bah, c'est l'entre-deux. C'est vraiment cet, cet entre-deux, maintenant, de, de ce qu'ils appellent parfois graphique novel ou roman graphique quand ils veulent pas juste dire one shot ou récit complet, mais c'est comme ça que tu le présentes. Mais oui, c'est une pagination qui est bien plus épaisse que 48 euh, ou 54 euh, pages du format franco-belge. Et, euh, et en même temps, ben, bah, c'est pas non plus une série ou mmh. une intégrale de, de, de quelque chose, quoi. Bien, hâte de lire ça. Yes, et autre autre album qui arrive aussi chez Glena, c'est du Fernando Danigno. Donc lui que vous connaissez certainement si vous avez lu pas mal de DC notamment au tournant des New 52. Resurrection Man. Yes, très, très bonne série sous-estimée. Si ouais, était très bien cette série. Ça fait partie des, des petits titres un peu tu sais comme Dial H ouais, euh, de l'époque ouais. euh, DC Dark qu'ils appelaient ça, euh, qui qui ont pas fait grand bruit et qui pourtant était d'excellente qualité. d'ailleurs, I Vampire qui avait révélé euh, aussi Andrea Sorrentino euh, à l'époque. Ouais. Et donc il avait fait ça, il avait fait du Suicide Squad, et on l'avait vu sur un titre de d'action espionnage cyberpunk qui s'appelle Smart Girl, qui sur lequel il était déjà auteur complet, qui est sorti aux éditions Réflexion en deux tomes. Et donc là, il est chez Glena pour un album qui s'appelle Winter Queen, qui est assez particulier dans son pitch puisqu'en fait on s'intéresse à une dame qui s'appelle Elizabeth Stewart qui euh, vit en, euh, au XVIIe siècle, pardon, et qui se retrouve façon un peu isegai en fait dans, à la nouvelle Orlé à la Nouvelle-Orléans en 2019. Et là, elle tombe en fait sur Eddie, qui est un, un, un arnaqueur vaudou, euh, et euh, les deux vont se rendre compte que en fait le meurtre dont est accusé dans le présent Elizabeth Stuart pourrait être en fait euh, un ensemble d'un enfin le premier rouage d'un ensemble de meurtres euh, tous liés à euh, aux actions d'une entité démoniaque. C'est un, un peu plus, je n'ai pas pu lire pour l'instant, donc je ne peux pas vous dire. Il y juste une couverture pour ouais, l'instant. Qui, qui est la couverture. Oui, bah l'héroïne clairement avec le euh, oui, tu maillot peux... de bain en côte de en côte de, de, de maille quoi c'est ça je sais pas un gros mot euh... oui oui non non mais c'est le bustier le bustier en, en fer forgé quoi effectivement ça fait très mais ça a l'air bah du coup c'est ça a l'air d'être aussi euh, pas mal mélange de gens puisque vraiment on est avec une héroïne voilà de euh, donc euh, au XVIIe siècle c'est quoi c'est rena... c'est pas renaissance ah, hein. ah ouais ah, je suis mauvais en histoire c'est pas renaissance c'est clairement post renaissance mais non la renaissance c'est 1400 bah oui donc euh, 17 e siècle c'est quand même vachement plus voilà. un peu plus loin quand même du coup c'est quoi à l'époque ah, je je sais plus moi Bah ouais. oui, très ça. victorienne tu sais pas en fait je sais pas. Tu sais pas je suis un inculte voilà je vais réviser mes livres d'histoire puis je reviens dans le podcast mais donc ce croisement entre voilà de la fantaisie du polar plus actuel puisque on se situe quand même à, en 2019 à la Nouvelle Orléans mais la Nouvelle Orléans qui a aussi dans son décor, une architecture aussi qui peut faire plus vieille époque, plus 20 20e siècle. Euh, moi, je trouve ça plutôt, inté plutôt intéressant de, de voir euh, Fernando Danigno faire. Euh, bah voilà, là aussi, c'est du grand format, en 144 pages, donc un récit qui doit être euh, plutôt plutôt épais, euh, mine de rien. Mais en tout cas, ça me fait juste plaisir de pouvoir un petit peu reparler d'albums qui sortent chez Glénat, parce que euh, depuis le départ d'Olivier Jalabert, c'était euh, moins évident de pouvoir en placer une euh, sur eux dans, dans le podcast. Ouais, moi j'avoue que ce projet me parle un tout petit peu moins. Ah, euh, ça, je euh, le savais. Toi, la fantasy. Euh... Bah, en plus la fantasy moderne, tu vois là, tu me le décris, ça fait un peu. Euh, Après, euh, je décris peut-être mal. Sengas, tu vois. Enfin, c'est. Hey, ouais, vrai, mais faut... non, mais, voilà, non, t'exagères. La New York, voilà, hmm. très mauvais choix les gars. Euh, non, mais ouais, ça, ça me parle un peu moins. Après, effectivement, c'est encore une fois cool de voir les métissages qui sont organisés chez Gléna. Euh, puis tout peut pas être forcément être intéressant pour tout le monde. Hein, c'est comme ça. Maintenant, en fait, tu vois là, je, je réfléchis à genre, c'est quoi le nom de la période du 17e siècle Je crois que. Il n'y en a pas, c'est pas la période baroque. Tu es en train de me dire. Du coup, parce que, tu vois, tu m'as planté l'idée dans la tête. Ouais, ouais, bah, ouais, mais. J'avais envie de te doucher avec ma culture, etc. Et là, je suis sûr qu'il y a euh, des euh, gens qui sont super forts en histoire, qui écoutent ouais. le podcast, qui font, mais non, mais Bandizio! Pas du pas tout! tout. L'air près, de, juste avant les lumières, quoi, merde. Je, je sais pas. Du coup, ouais. je, Pourtant, moi, je suis normalement assez fort en histoire aussi. Ah, c'est ouais. post-lumière, effectivement, parce que Lumières, c'est euh, 16 e siècle, je crois. Ouais. Putain, <laughs> en fait, je vais rien dire du tout parce que je suis sûr que, je dis n'importe quoi, les... C'est possible. Dire... Les lumières c'est plutôt du coup euh, juste avant la révolution. Enfin... Ah non qui émerge dans la seconde moitié du 17e siècle, non, donc c'est ça, c'est les lumières c'est 17e en fait. Okay. Pardon. Bah du coup on est. C'est ça, on est dans les... On est, on est bon. Voilà. Part. Du coup, est-ce que tu peux te chercher Baroque aussi <laughs> Non, je le ferai <laughs> en dehors du podcast puisque les gens veulent qu'on aille de l'avant et c'est ce que l'on va faire avec la prochaine actualité, parce qu'on a déjà fait le tour un petit peu de, de ce qui se passe en VF, euh, si ce n'est que euh, du côté de Comics Initiative, juste pour vous dire qu'il y a quand même la campagne Ulule pour Paria 3 qui a été lancée. Euh, donc euh, peut-être qu'on fera un point dans le prochain front page parce que ouais. va durer sur sur quelques jours mais par c'est hyper bien c'est euh, si vous aimez le steampunk justement on parlait de d'époque pré-victorienne avant enfin victorienne tout ça si vous aimez la sousette Squad et les trucs steampunk et Mick Magnola euh, ben euh, Mike ouais, Magnola c'est bien après euh... hmm? Ah, Victorienne, non, excuse-moi, pardon. Donc, voilà, si vous aimez toutes ces influences, et le steampunk également, eh bien, foncez lire Paria, et c'est de la campagne. On en avait parlé, de la campagne. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est trop bien. Oui, c'est le Dick extraordinaire, version française. Oui, c'est ça. Et style, effectivement, c'est mignon, là, avec des aplats de couleurs très jolis. Voilà, donc ça, c'est sur Ulu. Je vous mets un petit lien dans la description du podcast, juste pour signaler que ça existe. J'imagine que si vous suivez la série, vous étiez déjà au courant. Et Love and Rocket. Oui, Mais je crois que c'est. Je me demande si c'est pas bientôt fini aussi, Il faut y aller maintenant. C'est vrai. Bref, Corentin, du côté de la Véron, on va te passer un petit peu la parole, mine de rien. Ah bon, bon. Parce que moi, je parle beaucoup depuis avant. Bah oui, bah c est, c est Et ma bah, foi, il faut que j'aille euh, faire des exercices de, de la langue parce qu'elle commence à s'engourdir. Et donc, je vais te laisser la parole. Euh, je... <laughs> Ahoy Comics qui prépare un cadavre-ski avec Grant Morrison. Oui, qu'est-ce euh, que c'est que the bah, qu ce projet Bah qu'est-ce que c'est que ce projet On se le demande effectivement. Ah, assez ça veut construire. dire que l'éditeur euh... ne veut pas tuer quelqu'un de façon exquise avec Grant Morrison, hein, bien non Bien entendu, c'est et... Colder. Voilà, ah, ah, excellent. Et... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non, mais c'est c'est un, un petit truc en fait parce que effectivement là, Harry Comics, donc il y a la boîte créée par Stuart Moore et Jamal Campbell. Euh, quoi, 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 quoi T'attends ce que je raconte moi Si, si, Stuart Moore et Tom Payeur, pardon, Jamel Campbell, mmh. c'est l'artiste de The Long Earth. Donc voilà, qui a été lancé il y a cinq ans, donc là qui fête son cinquième anniversaire et pour se féliciter, à défaut d'avoir un budget pour faire des, des grands plans éditoriaux, on a décidé de profiter d'avoir euh, des encarts en fait en fin de numéro, puisque le, le, la proposition de Harry au départ, c'était de, de mettre un peu de brillant sur le format single issues en rajoutant des bonus, donc souvent des petites histoires courtes de une page, des pages de prose pour étendre un peu l'univers, la, la fiction intra-univers et dès le début ils avaient eu des gros contributeurs donc comme Grant Morrison qui était venu euh, dans les pages de backup je crois de euh, The Wrong Earth pour écrire de la fiction euh, donc littéraire hein, sans images euh, donc euh, voilà et en parler il y en a eu beaucoup d'autres qui sont venus effectivement pour euh, réaliser cet exercice-là et puisque c'est l'anniversaire ils ont essayé de prendre un peu de tout le monde et de faire une sorte de ouais de de, de longue histoire donc le cadre c'est quoi c'est vous commencez une histoire et quelqu'un prend la suite euh, sans avoir les directions que vous vouliez faire au départ enfin voilà Arnaud commence une phrase Arnaud oui. Commence une phrase. Bonjour, je m'appelle. Bah, du coup Arnaud. Non mais c'est une histoire du coup c'est pas. Donc Arnaud aurait pu commencer une phrase. Pour ah oui. l'histoire d'un donc... mec qui marche dans oui, la rue. Okay. Et après moi je reprends le truc et je dis et les aliens débarquent et après Arnaud prend, reprend le truc et il dit on fait une partouze, etc. etc. Voilà le style Arnaud, Arnaud, Arnaud coco tu vois. Mais plutôt il y, y a une girafe pu... une girafe qui lâche le, le fion des extraterrestres. Là, là du coup il faut que je reprenne Et donc vous comprenez un petit peu la difficulté, la, la, la difficulté de l'exercice <laughs> donc effectivement voilà vous pouvez planter une histoire vous pouvez euh... c'est toujours assez marrant à faire avec qui on fait pas cette soirée cadavre exquis je crois c'est vrai euh, donc pour résumer là on aura du Marc Russell, Alex Segura, Torun Grunbeck Brins Ingman, Carol Le Carraris, Anna Baderi, Audrey Rayer, Kirk Vanderbroek Lisa Junto, Stuart Moore et John Proctor qui vont donc se relayer sur une histoire en 13 parties, si vous avez bien compté, euh, qui va commencer dès l'automne avec un... Alors, c'était aussi le moment d'annoncer justement de profiter qu'ils avaient Morrison et Russell pour faire aussi l'annonce d'une euh, nouvelle série en amont des sollicitations, puisque ça va commencer en septembre, donc les, sollicit les sollicitations ne sont pas encore tombées. Et donc, ils ont annoncé Project Cryptide, qui sera une anthologie consacrée aux grands monstres, euh, Trop voilà, cool. Les trucs classiques, le monstre du Loch Ness. Euh, ouais, c'est des grandes créatures mythologiques voilà, de, ça. de l'Europe, des, qui ont des folklores. Des de... croyances populaires euh, qui sont réelles, donc pas juste les monstres en général, mais les ouais. monstres euh, associés à des folklores, à des régions, etc. Donc, Cryptid, ça va d'ailleurs, euh, les cryptides, qui sont tout un, tout un groupe de, de kaijus, en fait, dans, dans Kaiju Max. Il y a vraiment, parce qu'ils sont par gang, donc, donc t'as les, les monstres japonais, t'as les monstres japonais, t'as les monstres euh, t'as les robots géants, t'as les trucs dextra et puis t'as les cryptides aussi, et tu vois effectivement, t'as euh, le, le Loch Ness, mais t'as aussi euh, genre, les, les boucs des, euh, des mythes païens un petit peu, folklore un peu diabolique et tout ça, donc vraiment voilà, c'est ce genre de créatures-là. Et ben bah voilà, et donc c'est dans les euh, pages de backup de ce truc-là que euh, va commencer donc l'anthologie, enfin le, le cadavre qui s'appelle donc « Partially Naked, Came the Corpse », donc euh, « Le cadavre est arrivé à moitié nu », on va dire. Euh, concernant Cryptid d'elle-même, on annonce du euh, bah, de quasiment tout ce que j'ai déjà annoncé évidemment. Il y aura aussi du Paul Cornell, du Paul Constant, euh, Henri Barras Joey Leach quand même. thunder euh, Cannon, tiens tu vas être content. Et Joe Max. Et puis Joe. Ouais, ben. voilà, bah, oui, oui, hein. Effectivement. Euh, Max Spicer à la coule aussi. Des, vrais, des, des plutôt beaux noms hein, pour euh, l'anthologie. Et à côté de ça, donc la, le cadavre va se poursuivre ensuite dans euh, The Wrong Earth We Can Be Heroes 1, qui est donc pareil une anthologie, je crois, de mémoire. Hein, euh, sur les différentes terres du multivers Dragonfly. C'est-à-dire que The Wrong Earth en fait c'est une parodie de DC comics où euh, un Batman version Frank Miller rencontre un Batman version Adam West qui s'appelle Dragonfly et Dragonfly Man. Et donc bah, c'est l'occasion pour eux de parler un petit peu comme de comment Batman a évolué, de quelle forme de prendre un super héros, de qu'est-ce qu'un super héros peut évoluer par rapport à son format et tout. Et c'est un peu leur série vedette. Euh, à tel point que du coup, c'est édité en France chez Panini, je crois. Non, Delcourt. Delcourt, pardon, sous le titre L'autre Terre. Donc ça n'a rien à voir ouais. avec euh, The Wrong Earth, hein, pour ceux qui chercheraient à, à le lire. Et ils ont prévu de faire une anthologie pour parler des différentes terres du multivers Dragonfly. Donc il y en a une qui sera plutôt Archie Comics, une autre qui sera plutôt, plutôt machin, plutôt bidule. Euh, ouais. Donc ça va continuer dans, dans, dans ce truc-là. Et ça se terminera euh, avec un truc qui s'appelle Captain Ginger The Last Feeder aussi pareil une nouvelle série ah mais Captain Ginger c'était ouais, c'est les chats les euh, ouais. Chat de l'espace je crois ouais ce qui est d'algo avait aussi sorti un premier tome voilà et donc là ils annoncent la suite entre guillemets mm -hmm. bon, ils ont fait une sorte de, de blow d'annonce donc pour commenter ça rapidement bon moi j'avoue je les je les lis pas hein, les histoires en backup dans les numéros de Ahoy. je trouve ça très bien qu'ils qu tiennent ce petit format là et que ce soit un peu leur critère distinctif pour celles et ceux que ça intéresse il y a sûrement plein de gens que ça intéresse de lire du Morrison en prose par exemple euh, mais surtout voilà c'est bien parce que la maison d'édition est encore là Contrairement à TKO, contrairement à beaucoup de boîtes qui se qui se sont lancées un peu en grande frénésie, ils continuent à produire régulièrement. Ils font leur petite nouveauté tous les deux trois mois, quoi, à peu près. Euh, ça tient, ça tient bon. Ils ont quand même bien récupéré Marc Russell et c'est un peu maintenant un de un de leurs véhicules réguliers parce que Russell a créé, je crois, trois ou quatre séries maintenant chez Hero et c'est un peu leur auteur vedette, euh, comme Laurent Lefebvre avec Comics Initiative, si tu veux. Euh, donc c'est cool parce que elle comble un, un vrai creux. Euh, elle fait son taf de manière solide à la boîte, hein, je veux dire. Et bah, elle résiste aux intempéries malgré un marché indé qu'on sait être particulièrement euh, resserré. Et sans adaptation, sans avoir un pôle qui va appeler Hollywood pour leur dire euh, ⁇ je te vends tes propriété, etc. ⁇ Comme ⁇ Ewa, ouais, tu vois ⁇ Oui, après ça peut être un pôle ou un, un Adrien ou un Jean-Jacques. Tout à hein, fait, hein, même un, un Pierre ouais, ou un voilà. François. Mmh. Euh... <laughs> c'est dur de rebondir parfois, <laughs> c'est parce que c'est tellement genre inopiné, c'est un Pokémon sauvage qui apparaît. Hop, une blague j'ai pas de pokéball sur moi pour ça je suis désolé donc ouais par contre voilà c'est tu vois on peut se dire que Stuart Moore et c'est des vrais fans de comics d'ailleurs quand on les suit sur les réseaux c'est vraiment des mecs qui s'intéressent beaucoup au marché comment ça fonctionne et tout c'est pas du tout voilà comme Alonzo ou même TKO je veux dire Tietchoun c'est pas un mec qui vient des comics c'est pas des mecs qui ont lancé une boîte pour oui plus ou moins mais je veux dire ça reste des marchands de tapis enfin c'est des gens qui veulent aussi le pognon de Hollywood wood euh, Non, mais c'est un bon scénariste de BD aussi, c'est Oui. Il bah. y a aucun problème à vouloir faire de l'argent avec des comics. Ce que je veux dire, c'est que c'est cool d'avoir une boîte qui n'est pas là juste pour créer de la, un catalogue de propriétés intelligentes. Ou alors c'est juste qu'ils n'ont pas réussi, t'en sais rien enfin en ils font pas grand chose qui serait bankable hein, dans les trucs qu'ils ont qu'ils ont développés bah Billionaire Island en vrai serait facile à adapter Billionaire Island hein. c'est infaisable. tu imagines, imagines un producteur hollywoodien qui va dire ouais j'adore cette BD qui mais un le truc c'est ouais, que Billionaire Island, Billionaire Island techniquement tu regardes les infos tu y es déjà donc en vrai euh... c'est succession Billionaire Island en vérité j'ai pas j'ai pas regardé sérieux non <laughs> jugez-le mais donc <laughs> mais donc J'suis voilà pas mainstream enfin. comme toi là. <laughs> tout ça même Billionaire Island c'est de la satire tu vois mm. c'est typiquement comics comme comme format c'est vraiment de la BD euh... À l'ancienne. Ouais, je sais pas. Je pense que je suis quasiment sûr que Idiocratie, ça, ça, enfin, c'est quand même Idiocratie en comics, ça, un peu. C'est un plus gros budget que Idiocratie. Hein. Ouais, mais tu parles. faire une île flottante dans le milieu de l'océan. Alors, une île flottante, c'est facile. Il te faut des œufs. Euh... Ouais, mais ce que faire je. milieu de l'océan. Ouais, c'est ça. On va <laughs> trimballer les œufs jusqu'au milieu <laughs> de l'océan. C'est chiant, Non, mais t'es pas. Tangue, es pas... Euh... Attends, on a réussi à faire Star Wars avec euh, je sais pas combien de, de oh, budget. Bah quand même. Attends, mais c'est pas rien. On a fait voir. des guerres de vaisseaux spatiaux et on pourrait pas faire mais une oui, mais île flottante. Le but de Star Wars, c'est l'épique, c'est le visuel. Le but de Milieu d'Irlande, c'est de se marier. Bah oui, mais c'est pour ça. Donc, le décor est accessoire. Ce que tu Maquette que tu filmes de loin pour situer l'action, et après tu te mets juste sur les plages de, de Côte d'Armor, hein, je sais pas quoi, et puis c'est bon. <rire> <rire> Bien sûr, oui. Ça ouais. bah, marre du désert, c'est oh, bah, pas compliqué. De... Euh, les, les plages désertes, tu trouves quelques plages désertes à la con, et puis c'est bon, ça fait les rebords. Bah, mais, mais, mais montre ton Kickstarter, hein, t'as des. Allez, c'est parti. On a des idées, je on dit vais contacter Marc, je vais lui dire est ce que tu veux que je m'occupe Par contre, peu. cela étant, moi je serais pas contre une petite série, alors c'est pas chez. Euh, 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 oui, mais une petite série Not Robots façon Black Mirror humoristique, euh, je pense qu'il y aurait un marché à faire là pour le coup. Surtout maintenant, <laughs> tu pourrais faire l'écrire la série par un ce serait méta en plus. Ça marche, ça, ça marche. Allez, mais écoutez pas, là, regardez son son téléphone. C'est pour ça que c'est bizarre comme transition. Non, tu peux tout. y aller, Arnaud. Ouais, non, t'inquiète. <laughs> c'est <laughs> ce que je viens <laughs> de dire. Je sais pas, laisse-moi voilà. tranquille. <laughs> Allez, on continue. Et justement, je te laisse toujours la parole, Corentin, Est-ce que tu vas nous parler d'un projet de comics donc chez Image qui arrive, une forme de comédie, euh, qui a un nom qui pourrait presque être alsacien. Ça, ça s'appelle The Schlub. Mais je crois que The Schlub... Euh, moi, moi, je vais dire, à l'alsacien, la du coup, ce sera The Schlub. Mais je crois que justement, c'est du yiddish. C'est comme Schmock ou, euh, ou Schwenn, enfin, qu'on s'appelle, putain. Mmh. Ah. parce que c'est tous les mots d'argot un peu en yiddish qui sont passés dans le langage américain, après la, l'implantation ouais. des juifs des États-Unis. C'est vrai que schmuck, c'est le schnock en alsacien, du coup. T'es un vieux schnock. Mais je crois que schmuck, ça veut juste dire le connard, en fait. Et le schlub, je crois que c'est un truc comme ça aussi. Peut-être que je dis une grosse bêtise, ne hein, m'insultez pas, je suis pas linguiste euh, yiddish, mais, euh, c'est un mot, voilà, le schlub, vous l'avez peut-être dû déjà entendu. ça veut dire le gros nul, quoi. C'est un, un schlub, tu vois. Et, euh, donc ça, ça correspond effectivement bien à la proposition de la série. Donc c'est Ryan Stegman, effectivement, qui va, euh, reprendre l'écriture pour changer. Tu peux me retrouver le dessinateur, s'il te plaît. Enfin, le co-scénariste et le dessinateur, s'il te plaît, parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. Ouais. Euh, un petit peu comme on avait dit pour Tony Daniel euh, au, dernier, au dernier, front page ou à celui d'avant, je ne sais plus, où on disait que Daniel avait prévu de faire son, son projet de fantasy euh, moderne avant d'aller, enfin, avant d'être approché par euh, Snyder pour faire un Noctera. Et ben, de la même façon, en fait, Stegman en 2000, là 16. Il avait prévu de faire The Schlub, qui était un petit projet, et après, bah, Donny Keats l'a approché pour lui dire « Écoute, moi, j'aimerais bien faire Venom, ce serait bien avec toi, parce que as ce côté années 90, et puis on, je pense qu'on va bien s'entendre, etc. » Donc, euh, finalement, il a mis ce projet à leur en pause, et maintenant qu'il est libéré de ses obligations sur Venom, et qu'il a monté avec Kate sa boîte, puisque c'est KLC Press, hein. oui, Tout à fait. Euh, donc, Kids Love Chain Press, qui est leur label à eux, où il était aussi édité Vanish, qui est un projet Donny Keats, Ryan et les tâches s'évanouissent. Euh, il va du coup bah placer un truc à lui et comme maintenant c'est le patron bah il peut se permettre de ne pas dessiner. Donc euh, du coup Arnaud pour euh, la requête. Donc la requête c'est que c'est coécrit par Kenny Porter et il y a aussi Tyrell Cannon au dessin. Voilà c'est ça. Alors euh, ça a l'air joli déjà. Qu'est-ce qu'il faut dire C'est une comédie encore une fois effectivement. C'est euh, un concept qui évoque un petit peu justement les séries Image Comics ou Vertigo des débuts. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'histoire d'un mec euh, qui est un gros nul. Euh, un gros nulot, c'est un, un dentiste euh, un peu... Pff, pas forcément dépressif, parce que le terme n'est pas forcément très bien choisi, c'est plus euh, un peu à la modoc ou à la Homer Simpson, c'est un mec qui que sa famille prend pour un loser, qui passe son temps à se plaindre, qui passe son temps à, à, à dire que tout, tout est la faute des autres, et voilà, bon, c'est un mec qui a pas un physique très heureux, pas, qui a, il a pas un physique de héros, quoi. il a de la bedaine, il perd ses cheveux, il a des grosses lunettes. Voilà, donc c'est vraiment euh, la version très américaine de ce qu'est un loser. Euh, on va dire euh, ultra résumé, et évidemment, il va y avoir une sorte de Freaky Friday où il va échanger de corps avec le Superman de cet univers-là. Et donc bah, comme c'est pas un mec qui est taillé pour être super-héros, pour être même le plus grand des super-héros, euh, c'est un peu compliqué parce qu'il va devoir contrer une menace tout en acceptant du coup de bah, les valeurs qui sont associées au code de l'héroïsme, sacrifice, le renoncement de soi, l'héroïsme, le la bravoure, le courage, etc. Donc euh, Stegman, Stegman, pardon Stegman, je te la fais à la sienne, Stegman dit que c'est justement une sorte de réponse à des personnages de sitcom comme Kenny Powers par exemple, le personnage de Danny McBride, ou euh, Michael Scott, personnage de Steve Carell dans The Office. Euh, donc des, des personnages qui sont ouvertement antipathiques de, de prime abord et quand tu commences à les comprendre en fait, tu vois qu'ils ont un bon fond, que ça vient de quelque part, etc. Donc c'est Michael Scott qui devient Superman parce que déjà une promesse assez intéressante en soi. Euh, avec un côté, bah, il faut qu'il prouve qu à sa famille que c'est pas un loser. Il faut qu'il sauve le monde même s'il a un peu les miquettes et tout ça. Donc euh, ouais, ça fait vraiment très euh, années 90 régressif. Il y a déjà eu des séries comme ça chez, euh, par Par Casey ou Mark Wade il y un temps Là, moi j'avoue, je sais pas trop ce que vaut Donny Nickyette en tant que scénariste. Euh, putain, pardon, ce que vaut Ryan Stegman en tant que scénariste, je l'ai jamais vu vraiment écrire. Donc euh, ça, c'est à voir. Kenny Porter pareil, je le connais pas très bien. On sait que ce sera joli. On sait que ça va pas être très très long. Donc euh, voilà un petit projet en plus pour euh, Image Comics qui quand même depuis quelques semaines mois, on détaille leurs annonces il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes euh, eux par encore une fois face à un marché indé qui est un peu euh, parfois un peu exangü exangue, exangue euh, bah eux se tiennent plutôt bien quoi donc c'est cool très bien merci beaucoup Corentin pour le débrief là dessus du côté de Image, tout ce que je viens de dire moi. du côté de Image Comics euh, autre nouvelle importante aussi, c'est euh, la cessation de euh, la distribution par Diamond Comics. C'est maintenant en fait le cinquième éditeur, euh, enfin le cinquième plus gros éditeur qui a décidé de euh, partir euh, de chez Diamond pour la distribution des comic shop, euh, enfin des comics pour euh, les comics comic shops. Et tout cela au profit de Lunar Distribution. Donc deux conséquences quand même à, à noter là-dessus. Euh, bon, d'une part, ça vraiment ça enterrine le fait que Diamond n'a plus du tout le monopole sur les, la distribution de single issues. Ils conservent quand même la distribution pour les euh, librairies plus généralistes comme Bar Barnes and Nobles et ce genre de choses là avec Image, mais ils vont en fait euh, s'occuper de euh, comment dire de sous-distribuer. En fait, la, la, la façon parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de est-ce que Diamond Comics du coup c'est fini Et en fait, il y a trois, il y, y a des points qui sont assez amusants, c'est qu'en fait il euh, y a pas mal de, de comic shops. Qui dans leur logiciel en fait euh, ont pas envie de faire tous les changements que ça implique de passer chez un autre distributeur. Donc dans, dans, en l'occurrence là avec Lunar Distribution, bon, ce qui fait c'est qu'ils utilisent euh, Diamond Comics comme sous-traitant auprès de de, de, de l'autre distributeur. C'est-à-dire que en fait pour commander chez Image Comics, euh, ils vont dire c'est Lunar qui euh, qui s'occupe de faire l'envoi, le, mais en fait Diamond Comics va récupérer des commandes chez Lunar pour ensuite les distribuer au comic shop <laughs> qui les desservent. Et ça vrai. apparemment c'est plus rentable pour eux. En fait, bah apparemment oui. ils y trouvent, ils y trouvent un, un, un avantage là-dessus. Bah c'est l'art qui fait tout le boulot et ils sont juste à récupérer leurs commandes quoi. Ouais, je sais pas, je sais pas comment tout ça fonctionne euh, concrètement euh, en termes de, euh, de logistique, euh, mais il euh, faut voir aussi que en fait, Diamond fait de plus en plus d'autres activités annexes sur la distribution de jeux, de produits dérivés, de choses comme ça sur lesquelles en fait, bah, c'est aussi plus intéressant que sur du euh, du comics papier et euh, et, Lunar, et par contre la conséquence c'est que comme Lunar c'est le distributeur de DC Comics et que eux, les leurs comics maintenant sortent le mardi a priori les comics de Image vont aussi sortir le mardi et donc c'est quand même la fin du Wednesday euh, du mercredi enfin il y a pas mal de, de comic shops en fait qui ont râlé suite à ces annonces en disant mais putain euh, on a quand même passé tellement de temps à voir vraiment faire du mercredi le New Comic Book Day vraiment le jour des sorties et tout ça et là vous êtes un peu en train de, de tout casser le truc et que ça devient bah Forcément, un peu bordélique ou euh, moins facile à vendre en fait pour dire aux gens de venir le mercredi. Non, enfin, ah non, alors du coup pour DC pour Image c'est le mardi, par contre pour les autres c'est le mercredi. D'ici à ce que ça change pas encore et de dire et pour en fait pour celui-là ce sera le jeudi et ce genre de choses là, tu vois. Ouais. Tu es perpok. Tu, tu toi, toi, tu, toi qui t'en branle un petit peu de ces logistiques. Non, non, euh... je m'en branle pas. C'est juste, euh, bah, comme tu le disais un podcast précédent, j'ai pas forcément un avis sur tout. Là, je sais pas, j'essaie de réfléchir, mais je sais pas si c'est vraiment une si mauvaise chose que ça, parce que... Ah, j'ai pas ah ouais. d'avis sur la question. Parce que, de toute façon, en, en Europe, normalement... La, la, par contre, la, la, voilà, ce qui peut être important, c'est qu'en Europe, euh, la, la distribution se fait par Diamond UK, euh, et euh, quand, euh, quand euh, DC est passé par Lunar... Au final, ça n'a pas changé. Je ne crois pas que ça ait changé puisque c'est toujours pas Diamond UK en fait, en tout cas pour l'Europe que ça passe. quoi. Okay. Donc je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement quelque chose pour la livraison auprès des comics-shops ouais, français. Bien sûr. Mais même la, la, la perception du. Euh... Enfin, Est-ce que c'est vraiment si avantageux d'avoir un jour par semaine où euh, tous les comics sortent en même temps quand on voit justement la quantité de trucs que produit Marvel bah, Ça fait et un meuf, évidemment, mais. Bah moi, j'ai l'impression que ça, limite, tu vois, ça me paraîtrait plus logique, par exemple, qu'il y ait un jour des indés et un jour des big two. Il se trouve que ça va pas arriver, mais parce que j'ai l'impression qu'en inondant le marché comme ils l'ont fait, les big two aussi ont on noyé, simplement. On inonde, tu noies, tu sais, ça, voilà. Euh, L'offre indé dans, justement, une sorte d'effet de masse entre les variantes, entre les, les milliards de séries et tout. Donc, qu'on qu déconnecte un peu, justement, les sorties, ça me paraît pas si dangereux, en fait. Ben bah dangereux non, mais euh, dommage dans le sens que ça fait moins l'événement du « c'est le jour des sorties » ou sur lequel tu peux mettre l'emphase là-dessus et ça incite les gens à venir découvrir à la fois les nouvelles sorties des Big Two et de découvrir les nouvelles sorties des Indés en même temps et de… Tu sais sur l'argument le, le, de principe du tu vas pour un truc et tu repars avec d'autres parce que t'es curieux un petit peu. Mais tu peux toujours le faire le mercredi. Tu vas le mercredi et les trucs sont sortis la veille quoi. Pas... Oui mais euh... sauf que si tu vas parce que tu veux récupérer tes nouveautés vraiment image. Du, tu peux du... attendre du... un jour ça va. Fin... Ah mais tu sais qu'il y a des gens et ta bien... vie, vie est courte mais quand même. Oui mais toi t'as bien des, des habitudes aussi. Non. Mais moi je lis enfin je, je suis pas associé enfin habitué pardon à cette euh, euh, lecture du mercredi tu vois moi je, je lis pas mes comics particulièrement le mercredi. Je... Très bien. Je, je, je suis désolé, je suis désolé, j'ai pas un avis très formel là-dessus, je pas l'impression que ce soit pour moi c'est un peu tempête dans un verre d'eau quoi. Je, je, je trouve encore une fois que c'est dommage qu'on sanctionne Diamond entre guillemets pour avoir pas voulu Après je crois qu'ils l'ont chargé parce euh... qu'ils avaient 4 ans depuis euh, enfin, ils avaient 3 oui, ans euh... c'est sûr. Non mais après il y a plein c'est un super gros dossier. Je veux dire à l'époque quand DC a commencé à se les de solidarité de Diamond et même d'ailleurs Image Comics avec Todd McFarlane qu'on avait parlé, c'était parce que Diamond voulait pas rouvrir les entrepôts pour pas exposer leurs employés au Covid et ça je comprends très bien hein, évidemment que ils prennent cette décision là pour Diamond hein, je veux dire donc là de fait la sanction continue de tomber mais avec le temps t'es obligé de te dire que c'est pas juste ça parce que si Lunar récupère autant de clients c'est peut-être parce que Lunar a un meilleur service ou des prix plus intéressants et qu'effectivement euh, si Diamond était en situation de monopole il pouvait imposer les prix qu'il voulait tu vois quelque part moi j'avoue je, je reviens un petit peu sur ce qui a pu être dit à l'époque par moi hein. euh, c'est qu'effectivement peut-être que le marché était trop dans un seul tuyau. Tu vois, qu'en fait, c'est pas plus mal d'ouvrir un peu les canaux. Je trouve ça plus préoccupant que Penguin Random House devienne un peu le nouveau tuyau sur un autre front, on va dire. Euh, mais à côté de ça, effectivement, voilà, c est, c est Diamond n'est pas en danger. Enfin, si Diamond n'est pas en danger et que bah, les gens se retrouvent dans... Enfin, les éditeurs se retrouvent mieux avec Lunar, bah, pourquoi pas, tu vois. Enfin, moi, je, je suis partisan de la, la coexistence spécifique. Très bien. Eh bien, euh, quelle dose de positivité, Corentin Ça fait du Merci bien Dieu, dans ce podcast. C'est voilà. le soleil, ça. On en a besoin, mais je trouve que ce qui est bien aussi, ce qui est important, c'est l'équilibre. Et donc, puisque tu viens d'être positif, il faut compenser par une dose de négativité. Et pour cela, Corentin, nous avons passé du côté de Marvel, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Kid Venom oh, ouais. Alors, j'ai <laughs> vu qu'il y a eu une demande dans le programme, mais. Ouais. <laughs> ça, c'est vraiment juste parce que ça me fait plaisir de t'entendre bitcher sur. Euh... What, sur, ouais. what did Marvel do wrong this ouais, week tu sais. tu vois. Bah, En plus, je trouve que, enfin, pas... que on enregistre ce podcast quand même le, le jour où le numéro maudit euh, sort, quand même, faut se rappeler de ça. De la musique Spider-Man. Oui, la musique Spider-Man 26. Ouais. Euh, J'ai vu un super même, tu sais, avec le docteur Manhattan qui euh, c'est qui est sur Mars et qui se rappelle de toutes les époques, qui vit en parallèle, mm -hmm. parce qu'il a une compréhension linéaire du temps. Enfin, non linéaire du temps. Où dit, on est en 94, c'est la, la saga du clone, et je lis le, le pire comic Spider-Man ever. Puis après avec Point Morday, on est en 2007 et je lis le pire comic Spider-Man ever. Et puis en 2023, on est en 2023 et je lis le pire comic Spider-Man <laughs> Ever. Et tu te dis quand même, ouais, ouais le pauvre Spider-Man, c'est vrai que... Et là-dessus, là, là c'est vrai qu'on peut être un peu cruel avec Niclo, c'est qu'en fait ça a été toujours une machine à cash et que c'est pire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que justement on en parle. Parce que maintenant il y a des petites franchises au sein des franchises. Tu vois, il y a la franchise de quelque part, Miles Morales on va dire qu'il a eu sa propre saga du code récemment, d'ailleurs. Il euh, y a la franchise. Ouais, récemment, c'était il y a il y a. Y a C'est l'année dernière. Deux ans. Hein. Deux enfin, ans. Okay. Ouais, le, temps genre... le temps passe vite. Mais c'était nul. Il hein. y a eu voilà, il y a Gwen Stacy qui devient aussi une micro franchise à, à part entière, et surtout il y a Venom, donc euh, qui a beaucoup profité en fait du travail de Donny Cates pour euh, et de l'envie de Cates de relancer un peu la machine symbiotique, parce qu'avant ça il y avait Venomverse par exemple, et toutes les séries de Jerry Dogan. Euh, non, Kellenban. Euh, et... oui, Avec pardon. Bunn qui euh, faisait de la merde, hein, on peut le dire maintenant, c'était vraiment pas bien. C'était pas ouf, ouais. C'était pas ouf, d'ailleurs, la notion de multivers n'était pas vraiment présente, mais là ils se sont dit, bah écoute, on a fait Spider-Verse, on a fait Spider-Geddon, on a fait End of Spider-Verse, mais on n'a pas fait encore pour Venom le multivers. Bah allez Allez, on va faire le multivers Venom. Ouais, parce qu'il y a End of Venomverse du coup aussi. Voilà, ouais. donc et on a déjà vu hein, des co covers avec euh, un Venom samouraï, euh, tu le Venom barbare, tu le Venom viking, tu le Venom euh, soldat de la, première, de la première guerre mondiale, enfin tu tous les Venom de la terre parce que c'est super original les comics. Et donc du coup bah là évidemment on a quitté Venom et comme ils sont super originaux encore une fois, ils vont dire mais attends le Venom samouraï ça va être un petit, il va combattre dans son village, à l'ère Edo, au Japon, à l'ère Edo, je sais même pas d'ailleurs, en l'an 1000, et il s'appelle pas Venom, en vrai. Il s'appelle, il s'appelle, Clintor, je crois qu'il s'appelle. Et du coup, c'est... <laughs> Clintor le Clintard. Voilà, Clintor le, <laughs> le Bleu, noir, noir. <laughs> je suis Clintor. <laughs> le, <clintur>, le, <laughs> le Clintard. Parce que la race des, des symbiotes les Clintard, en vérité. Ouais. Même si ça a été, euh, parce que maintenant, on dit pas que c'est leur race, mais que c'est un principe de, 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 de nas, euh, selon Donny Ket, mais c'est revenu ensuite, parce qu'ils il leur fallait bien un mot pour dire ça. Et du coup, effectivement, clinton dans le cadre de comme François le Français ou ou America euh, pour euh, America, American McGee, tu vois. Euh, donc ouais, voilà, c'est donc ça se cale dans l'événement, summer of Symbiote, qui est un un super événement au sens où il cadre plusieurs crossovers, C'est trop nul. Euh, où là, donc il y a eu le crossover avec Miles Morales et Carnage qui était à chier. Euh, il y a End of Venomverse, qui est une des séries du crossover, donc qui est Venom qui part dans une espèce de multivers arachnéen, hein, Venomien, ce qui est débile d'autant euh, qu'on peut, on t'explique bien dans, je vais pas, je vais pas spoiler, euh, Ultimate Invasion, mais bref. Euh, c'est débile. Il y a aussi, donc tout, il y a huit séries, je crois, en tout. Ça comprend huit titres différents. Voilà, il ouais. y a huit titres différents, donc ça va faire, je sais pas, 40 numéros, ou un truc comme ça pour un seul événement. Et à côté de ça, évidemment, on a le symbiote Spider-Man 2099 et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, grosso modo, Spider-Verse sort, il leur fallait un Spider-Verse, il se trouve que Dunswat est en train de casser le sien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait du Venom Verse. Et donc, oui, voilà, il y a ce petit personnage de Kid Venom qui n'est pas Venom qui n'est même pas une version alternative de Venom, parce qu'il n'est pas à la même époque, il n'est pas le même nom, il n'est pas la même origine, il n'est pas à il pas les mêmes pouvoirs, il n'est pas à la même symbiote, mais il l'appelle Kid Venom parce que c'est cool sur la couverture, ça ferait un petit personnage manga. Et en plus, <laughs> il a vraiment un design, c'est super archétypal, justement, de petits démons dans un manga à la Samorighyperchio ou un truc comme ça, tu vois, c'est vraiment juste mmh. torse poil look de démon, et puis je cheveux en arrière. Un peu Shaman King, même, je trouve. Moi. Un peu Shaman King aussi, ouais. Donc euh, voilà, ça, ce sera juste l'un des personnages euh, de, de l'anthologie. Parce que chaque numéro va introduire un nouveau Venom, hein, c'est le principe des idées de merde. C'est qu'en peut tu peux en foutre partout, tu vois. Et bah du coup, euh, à côté de ça, on peut se dire effectivement que l'été va être symbiotique. Quelque part, j'ai envie de dire encore un de plus, puisque c'est déjà l'année dernière avec Extreme Carnage, et l'été d'avant avec King in Black, et l'été d'avant avant, avant et avec, avec Absolute, Absolute Carnage. King. Donc euh, voilà. Après, peut ça, Extreme, Absolute, Summer, Symbiote, Carnage, mes genoux. La série actuellement avec kelly et Wing et Ramvé. Et, et Ramvé est pas terrible du tout. Ça me fait bah J'ai mal à mon Ramvee, comme on dit. Euh, donc tout ça, c'est, une grande arnaque. Encore une fois, hein, c'est l'escroquerie en mode organisé que devenue la maison des idées aujourd'hui. Euh, très bien. Voilà, Arnaud, tu as, tu, as eu ton, tu as eu ton petit plaisir. J'espère que tu es content. Je suis repu. Voilà. J'espère ça... que les fans qui, enfin les fans, fans, de Marvel qui nous écoutent sont repus eux aussi. Cette dose de salle fait bien plaisir, mais il faut quand même dire les termes, un moment ou un autre. et C'est clairement pas du côté symbiotique qu'on mmh. prendra un autre pied, je pense, cet été chez Marvel. Mais en plus, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est fait pour faire des spin offs ensuite. Tu vois, c'est que là, s'ils prennent un petit samouraï, avec, enfin, un petit japonais l'an 1000 avec un air un peu mignon. C'est qu'ils se disent, ouais, peut-être Pitch Momoko, ou je sais pas quoi, on pourrait le faire croiser. Non, avec mais Pitch Momoko, elle fait de Days et on lui, et vois, on lui fout ouais. la paix, tu et vois. il n'y a, il a pas besoin là mmh. tu vois. Et tous les autres personnages qui y aura dedans, c'est Mais pareil, si ça, ça trouve, à, à l'inverse, c'est parce que Demand Days de Pitch Momoko a marché, oui. qu'ils se sont dit, on va décliner le concept dans d'autres trucs, mais plus qu'à hein. Bien sûr, bien sûr. Et tu vas voir que tu vas avoir plein de symbiotes à toutes les sauces, sur le ton de, il faut qu'on continue à alimenter la machine et qu'on tire sur la corde le plus possible parce que les gens pour l'instant ils bouffent du symbiote autant qu'ils en bouffent. On chie, on chie, on chie mais c'est comme Gwenverse encore une fois. Comme Spider-Verse. Mais tu l'as lu euh, le N de Spider-Verse là Je suis dedans ouais. Je suis au 7 numéro je crois. C'est honteux, c'est honteux, honteux, honteux de faire ça. Et pourtant moi je suis un défenseur de slot au départ. Mais hein. moi j'aime bien. Ouais, je sais, je sais. Mais c'est de la merde. Ouais, c'est pas terrible. <laughs> pardon, Dan Mais c'est pas grave, continue, pardon. Surtout qu'on s'en fout de la chantra pas sais comment ça s'appelle. Non, mais c'est pas cohérent enfin, je peux m'énerver Ouais, c'est pas voilà. <laughs> Très bien, allez, Quentin, euh, historique. Allez euh, voir Spider-Verse 2, ceci. Par contre, ça, parce que ça, c'est incroyable. Du côté de Marvel, toujours, euh, réimpression historique d'omnibus de Rome et des micronautes euh, avec le renouvellement d'un partenaire Chasbro. C'est une grande nouvelle, en fait, euh, dans le petit monde des comics. Mais c'est quand même une grande nouvelle, est-ce que tu peux un peu juste nous, nous expliquer pourquoi euh, oui, alors je suis pas le plus gros connaisseur du sujet parce que tu es trop jeune. Je suis trop jeune. Par contre, par exemple, si ben vous avez probablement déjà entendu dans ces émissions le, le, le doux timbre de Nicolas Bojan, par exemple, et vous savez d'ailleurs que c'est pas du tout un fan de super-héros modernes, euh, lui, par exemple, a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme de, parce que pour sa génération, on va dire, ou pour ceux qui ont le plus connu Strange, c'est ça. Euh, ouais. C'est un, un truc de la génération. Oui, vrai. complètement, complètement. Mmh. Et en fait, voilà, c'était une très bonne série. Alors, je dis bien c'est probablement une très bonne série parce que je ne l'ai pas lu euh, donc c'était à l'époque du partenariat entre Hasbro et Marvel qui, allait, qui, avait, qui avait commencé à la fin des années, des années 70 euh, pour mettre en avant en fait des propriétés Hasbro donc un géant du jouet hein, que vous connaissez avec des comics donc ça se faisait beaucoup à l'époque c'est comme tu sais les comics GI Joe Real American Hero qui ont vraiment d'ailleurs cimenté euh, la marque GI Joe aux États-Unis à travers les comics c'est des Marvel qui avait permis de faire la série animée ensuite que que vous avez sûrement parlé déjà du croiser dans votre enfance ou dans les VHS de papa etc euh, donc voilà, c'est l'histoire de Rum Space Knight, c'est un peu une sorte de Silver Surfer, dans le sens où c'est un défenseur d'une planète lointaine, qui va revêtir une armure de métal, euh, un design assez ancien, assez science-fiction, euh, années 50 et tout, façon clatou, tu vois, enfin façon le jour, le jour où le s'arrêta. Euh, qui va défendre la planète face à des envahisseurs extraterrestres et leur mener la chasse dans le cosmos jusqu'à arriver sur Terre. Et une fois sur Terre, à la Secret Invasion, il réalise que les aliens en question ont pris possession de quelques zone d'influence ou de pouvoir parmi les entités humaines. Donc voilà, ça c'est Rome the Space Knight, et apparemment c'est vraiment un shadow des comics. Donc voilà, donc euh, pourquoi ça a été compliqué à rééditer Parce que la licence appartient à Hasbro, et comme tous les contrats de licence, elle était donc prêtée pendant un temps à Marvel pour une location. Marvel n'a jamais possédé le personnage de, de, de Rome, et euh, le problème c'est que bah, les personnages de Marvel interagissaient avec Rome, c'est pas une série isolée, avec juste comme justement G.I. Joe avec juste des personnages dans un univers de jouets et on leur fait un narratif à eux etc Rome était vraiment un héros du planisphère Marvel donc c'était compliqué parce que pour les rééditer il fallait euh, l'accord de Hasbro et si Hasbro voulait les rééditer il fallait l'accord de Marvel parce que quand vous prenez par exemple les comics là euh, Disney a racheté la Fox donc ils ont pu récupérer tous les comics Alien qui avaient été faits chez euh, Dark, Dark Horse Wars. parce que ça leur appartient si par exemple Dark Horse avait croisé enfin Elboy avait croisé Alien Là, il aurait fallu que Dark Horse dise à Marvel Ok, on est d'accord, on vous le prête, on refait un accord, etc. C'est ce qui fait que ça a mis très très longtemps à être refait. Et euh, alors, je ne sais pas pourquoi, mais bah du coup, Marvel et Hasbro ont réussi à s'entendre pour faire ces rééditions. On format omnibus. Donc, euh, il y aura trois omnibus pour Rob the Space Knight, que c'est plus de 60 numéros. Et il n'y en aura que un pour Micronauts, dont j'ai oublié de parler, qui est un pareil un autre univers de jouets. Deux héros miniatures, euh, pareil, qui viennent de l'espace, qui, pareil, arrivent sur Terre, qui, pareil, croisent. Les Fantastiques Forts, etc. C'est beaucoup plus de la science-fiction un peu, un peu flash-gordonesque, un peu pulp, assez coloré, assez Kirby. Euh, donc, euh, je, voilà, c'est une grande nouvelle, comme tu dis. On a vu que ça a été très bien accueilli aux États-Unis, même en France, d'ailleurs. Beaucoup de gens sont très contents. Beaucoup en France. Hein. Ouais, ouais. Euh, mais moi, voilà, je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que j'ai pas lu ces comics. En revanche, on peut prendre une perspective plus large et se dire qu'effectivement, Hasbro revient en force euh, au cinéma, par exemple, avec. Euh, Iwan, euh, je crois que c'est eux qui ont fait le film euh, et Dragon, je crois que ça leur appartient. Euh, ils vont faire les Power Rangers aussi bientôt. Bon, ça c'est chez Boom, donc ils ont déjà un accord de licence, mais mm -hmm. on peut imaginer que si Hasbro se remet à l'idée de développer des contenus culturels, enfin en tout fait, cas des narratifs culturels pour leurs jouets, euh, Marvel puisse être un partenaire de, de choix pour l'avenir, puisque Marvel est déjà associé avec Games Shop, associé avec, euh, bah, associé. Ils possèdent la planète des singes, ils possèdent Alien, ils possèdent tout ça, etc. Donc recréer un peu le Marvel glorieux des années 70-80 qui met toutes les licences au même endroit. Qui avait Godzilla même à l'époque. Euh, pourquoi pas Tu vois pour, Parce que sinon, ce serait comme assez étrange que Hasbro ait juste dit ouais, c'est vrai que nous aussi, on les aime bien ces comics. Tiens, voilà, on re-signe un accord et tout. Parce que ça ne va pas leur rapporter un rond. Enfin, c'est une petite niche de fans, elle est sonore et elle est très fidèle. Tant mais mieux. Elle va acheter surtout. Elle va acheter. Euh, mais les jouets, même je crois, Micronauts et Rom ne sont plus même en production. C'est vraiment très vieux. Si vous voyez le design de Rom the Space Knight, c'est pas du, du tout un jouet qui ressemble à ce qui sort aujourd'hui, quoi. Donc euh, cool, cool pour vous, j'ai envie de dire. Sachant qu'il euh, y avait des, euh, des comics rom qui étaient... Mais c'était euh, des nouvelles séries qui étaient faites, je crois, je crois, chez D.W., qui étaient publiées chez Vestron. Euh, in et en fait, bah, Panini a déjà communiqué sur le fait qu'ils allaient forcément se pencher sur la question de ces nouvelles éditions qui arriveront chez Marvel et voir s'ils s'occuperont de les faire. On peut espérer qu'ils le fassent parce que je pense qu'ils ont vu les réactions très enthousiastes d'une partie du, du, du lectorat euh, un peu à l'ancienne qui justement a été bibronné sachant surtout que c'était des comics à l'époque vu que c'était publié chez Lugue. Euh, donc dans euh, les éditions Lugue ont quand même énormément charcuté et censuré les contenus euh, d'époque euh, donc là ce serait l'occasion aussi de, de ravoir en fait des titres dans leur version complète euh, ouais, intégrale tu as des nouvelles trades aussi ah, ça, par contre, c'est moins. <laughs> enfin, oui, là, pour le coup, j'ose espérer qu'il qu le fera. Oui. J'espère qu'ils bosseront un peu la couleur, parce que la, la couleur des rééditions Panini, euh, pardon, pas Panini, sur Marvel, avec. Euh, je sais pas si on avait déjà parlé de ça, d'ailleurs, mais euh, l'effort de remise en couleur qui est fait, qui se base sur une palette qui est très réduite, qui est le CMYK, qui, du coup, bah, fait que tous les comics Marvel de cette époque-là ont la même gueule, avec les mêmes couleurs. Parce qu'à l'époque, en fait, les coloristes travaillaient avec la, la matière papier pour donner des effets aux couleurs, qui, une fois que tu mets sur un scanner, font que les couleurs sont très plates et très merdiques. Donc, euh, à voir. Après, je n'ai pas de grands espoirs par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est très bien que ces petits monuments un peu perdus réapparaissent. Comme par exemple, tu vois l'omnibus euh, Miracleman. Tu vois, moi, je suis mmh. content. Tu vois, par exemple, ça. Même si la est encore une fois pas bonne, mais voilà. Très bien. Et on va terminer pour les comics du côté de DC. Qui pour une fois euh, ne nous enthousiasme pas des masses, euh, je dirais, avec l'annonce pour la rentrée du crossover Batman Catwoman The Gotham War. Oui. Alors, euh, faut savoir que. Des le pichent. Pendant l'été, euh, pendant l'été, il y aura Night Terrors. Et après Night en... d'ailleurs franchement, moi, je suis chaud bouillant. Non, t'es pas, le... ouais, pas chaud bouillant du tout. Tu maîtrises très 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 mal l'ironie, mon cher Corentin. Et en fait, bah on n'a pas trop de de résumé, si ce n'est que après les événements, en fait, la ville de Gotham City, euh, en fait, les vilains sont, si tu veux, se sont alliés, en fait, parce que il y a un nouvel ordre, un peu totalitaire on va dire, dans la ville. Et euh, ben cette nouvelle alliance de vilains a priori elle est menée par Catwoman et donc Batman va aller lui chercher des noix. C'est en tout cas c'est de ce que je comprends hein, du, du 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 résumé. Faudra voir plus en détail cet été. Enfin l'approche là dans les deux séries en question comment ils doivent déjà planter euh, les graines de cet événement et donc ça fonctionne de façon très classique avec un one shot d'ouverture euh, Batman Catwoman The Gotham War Battle Lines. Qui réunit les équipes artistiques des séries Batman et Catwoman, donc Chips Dorsky et Tiny Award sur l'écriture, Michael Thorne et Adriano Di Benedetto sur le dessin. Ensuite, on a des numéros impliqués de la série Batman et de Catwoman. On a une mini-série Redwood aussi avec Matthew Rosenberg et Nicolas Ismichel, euh, J'arrive pas, <laughs> pas à dire le nom de famille au dessin. Et un one-shot de conclusion, c'est très banal dans la construction. Et euh, deux ans après Joker War, on a Gotham War. Euh, on avait Shadow War l'année dernière aussi avec le crossover entre les Titans et, et, et les Teen Titans et Batman. Il y a toujours des wars à la con quand même. C'est c'est dommage d'avoir ouais. ce genre de de d'événement poussif. Alors bien sûr, peut-être que ce sera bien, ouais, mais dans culture, la quoi. mais dans mais dans l'annonce, dans la façon dont c'est présenté, il n'y a pas grand chose de, de très de très excitant quoi. Hum? Il y avait Robin Noir aussi. Oui 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 oui. Bah non c'est c'est tu on a fait la maman maintenant il faut faire le papa euh, effectivement DC là moi autant il y a des les séries de de notre DC je trouve je les trouve plutôt intéressante autant mais c'est pas nouveau effectivement c'est ça le problème c'est juste de la logique économique ça ça a fonctionné pour Joker War qui pour moi est un mauvais événement et ah, ça, c était, c était, en plus c'était long mais oui mais c'était long c'était pas il bon il y avait des des détails dans tous les sens c'était oh, c'était ouais. l'accélérationnisme encore une fois c'est quand ils se sont dit bon Batman ça vend il faut qu'on crache du Batman et tout mais là, en plus moi ça m'énerve particulièrement parce qu'on sort quand même d'un d'un run d'un mec qui s'appelle Tom King je sais pas si tu connais ou alors on euh, sort c'était il y a trois ans frère oui, oui mais bah, non mais attends à l'échelle des comics euh, voilà c'est pas non plus et encore une fois moi j'ai toujours pas fait mon deuil de putain de plan pour Batman et Catwoman qui maintenant bah, est complètement foutu à la poubelle on n'a plus rien à foutre ça revient comme avant ils vont se taper sur la gueule etc et enfin stop quoi ouais, en fait à un moment donné euh... Est, je parlais euh, quand on, on évoquait la mort de Miss Marvel du côté statique des comics où en fait rien n'évolue jamais et c'est jamais que des petites nuances qui s'ajoutent sur d'autres petites nuances sur d'autres petites nuances et compagnie. Là en fait on est passé au-delà de ce stade-là c'est il y a plus vraiment d'espoir que Batman soit un jour autre chose que soit un détective soit un Uber Batman solitaire ou avec des fils et que Batwoman bah, ne sera jamais voilà le, on n'aura jamais cette, cette conclusion qu'on mérite. Euh, alors qu'on on a payé encore une fois pour euh, avoir cette conclusion on n'a pas eu et là maintenant on en revient vraiment à faire du joker war avec Catwoman alors pour, à la limite voilà tu vois Enfin moi, des, des combats de de, bah, de chat de chauves souris qui se mettent des, des, des brèches sur les toits en se rappelant le bon vieux temps où ils étaient jeunes et beaux etc pourquoi pas mais pourquoi toujours tout faire ça à l'échelle de Gotham City c'est comme Dan Slott, tu sais, une époque où chaque été Spider-Man, c'était un gros vilain qui prend d'assaut toute la ville et qui répand un produit toxique, qui fait qu'il y a du chaos dans les rues, se fait des tailles et tout. Mmh. Mais t'es en mode. Mais putain, même Snyder il faisait ça d'ailleurs. Bah oui. Hein. C'est moi, cette méthode d'écriture, elle ne me parle pas. Je trouvais des idées originales. Cataclysme, c'était original. Euh, no Man's Land, c'était original. On, on, même Zéro-Hier, c'était quelque part plus original que ça. En tout cas, l'idée de la ville... Waouh, wow, on a Corentin qui réhabilite Zéro-Hier dans le podcast. Je ne pas Zéro-Hier, je dis que c'était Tu original, viens de dire que c'était génial bien. et que c'était quand même pas mal, pas si mal au final, non, non je dis que c'était original. Tu Il sais, y a des idées originales mmh. à trouver. Mais trouver une meilleur fils, c'était original. Tu vois, chez Marvel. Il y a des façons d'habiller un peu Gotham City pour trouver de nouvelles choses à dire et à faire sans forcément avoir systématiquement le plan du vilain et gothique ou même simplement les rixes euh, de bande rivales qui se tirent dessus le nouveau dictateur qui arrive en ville putain mais c'est future state encore quand, il arrive, quand, en quand <laughs> il arrive en ville quand il arrive en ville pardon le contrôle euh, donc oui non et des comics comics arrêter les événements voilà faites juste des séries c'est bien les séries il fait des crises et des séries parce qu'il y en a beaucoup t'avais l'Azarus Planet puis t'as as, as une forme de Marvelisation en fait de l'événementiel là dessus euh... oui l'Azarus Planet puis les Night Terrors ouais. puis euh, maintenant euh, Gotamore et c'est bon ouais, lâchez nous la grave, En plus quoi. Night Terrors ça fait vraiment un remake de, de métal quoi enfin ouais mais de mais, euh, hein, en fait que... c'est ça c'est d'apparence c'est du métal slash convergence qui... ouais. et le truc c'est que bah métal et convergence c'est nul je <laughs> pense qu'ils se rendent pas compte en interne tu vois ils se disent pas ils s'en branlent. Non, non, mais mais ça a vendu en hein, métal. Euh, oui, mais c'est euh, pour, pour ça, mais en interne, ils s'en branlent parce que ça a vendu. Et là, non, bah, non, bah oui, mais il faut, faut être pragmatique aussi. T'es là aussi pour vendre euh, des comic books. Mais tu fais le mariage de Batman et Catwoman, tu en vends des comic books. Hein. Oui, sauf que tu peux pas le faire parce que là, ça modifie. Oui, mais ça modifie trop statu quo, c'est pas mais pareil. Aussi, euh, même alors qu'une pause est estivale euh, de deux mois sur un monde de cauchemar, du coup, qui permet de tout annuler à la fin. Tu vends du papier et, euh, et tu redémarres au point zéro. Et ça, d'un point de vue investissement créatif <laughs> et rendement pécunier, c'est vachement plus intéressant. Je suis pas d'accord. Bah, <laughs> mais toi, tu n'es pas un bon un éditeur. Ils on ont créé déjà Omniverse pour pouvoir faire des séries qui n'étaient pas forcément en continuité. Je veux dire, Dark Crisis, Batman a continué sa vie, si n'a un... rien Mais, mais, euh... oui, mais toi, tu es un mauvais éditeur parce que tu ne veux pas vendre des comics. <laughs> si, je veux qu'ils se marient pour qu'on fasse, euh, pour qu vende des, tu des comics. Mis, com tu ça, je vais acheter vrai. le numéro, je peux acheter <laughs> toutes les 130 variantes. Et... C'est de Joel Jones, oui, ils se marieront, ils feront un bisou, ce trop bien. On en a terminé pour les camis et Il va accélérer. Et non non non, c'est juste pour pour pas rester une heure là-dessus. Mais donc euh, où est-ce qu'on en est Oui, on en est à la partie série télé. Mais oui. Et là, tu es là, on va carrément être sur ton sujet de prédilection puisqu'il euh, y a une série de super héros français qui est en développement, euh, qui s'appelle euh, Loisel slash ladybird et qui s'inspire en fait d'une héroïne de fiction qui a été imaginée par l'autrice Renée Danjou au début du XXe siècle euh, qui s'appelle euh, Vega de Ortega alias Lady Bird et qui était en fait l'origine de fiction qui était publiée dans de la presse féminine et euh, ensuite ça, les différents épisodes avaient été compilés dans un roman qui s'appelle Vega la magicienne et qui donc s'était euh, sorti euh, donc vers 1911 et en fait il y avait une actualité autour de ce roman et de ce personnage puisque en 2022 euh, c'est une toute petite maison euh, d'édition euh, française qui s'appelle Banquise et commerce qui avait réédité euh, cette publication et il y avait Pauline Croquette euh, du du Monde qui avait fait un super article d'ailleurs pour remettre en avant ce personnage qui est considéré comme même la première super héroïne française et d'ailleurs euh, Loisel qui est mentionnée dans La Brigade Chimérique de Serge Lehman bien entendu parce que ça fait partie de tous ces personnages de la littérature fantastique et science-fiction du début du XXe siècle qui a donné au final l'inspiration pour les super héros euh, des États-Unis. Autre, acti autre actualité autour de ce personnage aussi récemment en bande dessinée, c'est chez l'éditeur Fair Square Comics, donc la maison d'édition menée par Fabrice Sapolsky, ancien rédacteur en chef de Comic Box, euh, donc euh, en fait, qui coécrit euh, une bande dessinée, Lady Bird, en fait, où. Tu suis l'intrigue en parallèle en fait de euh, l'héroïne originaire, en tout cas dans le contexte de l'époque et d'une autre euh, héroïne dans le présent qui a aussi des pouvoirs et toutes les deux en fait ont le point commun bah, d'être traquées euh, pour leur pouvoir et de chercher en fait à s'émanciper bah, de, de ces gens qui veulent euh, les contrôler. Donc un récit d'émancipation à deux époques différentes. On prend l'héroïne originelle euh, de, des récits d'époque de, d'Anjou et Lady Bird les comics plus récents on mélange un petit peu le tout et on le donne en fait, euh, parce que les droits ont été achetés par euh, Imagination, alors attends, le studio c'est Imagineers, Imagineers Studios euh, et donc ça fait une série en développement avec déjà pas mal de noms hein, qui sont, euh, qui sont euh, au crédit puisque euh, sur le scénario on a euh, Nathalie Saujon, qui a écrit notamment pour Canal, euh, la série Les Revenants au cas Bull Kitchen. Et on a euh, Camille Delamarre, euh, à la réalisation, qui a notamment fait Assassin's Club ou euh, le transporteur euh, héritage. Donc, euh, un mec qui fait euh, de, de l'action. Euh, et Imagineer Studio ça vous dit quelque chose, peut-être, ça vous rappelle quelque chose si vous écoutez le podcast ou, ou que vous lisez comicsblog.fr parce que c'est eux qui ont aussi racheté euh, les droits de Photonique de, de Micros En fait, voilà, de tous ces personnages de super-héros français euh, qui sont en train d'être remis euh, au goût du jour. Parce que chez Black and White, il y a un nouveau magazine de publication avec des nouvelles histoires de Photonique, avec notamment Paul Renaud euh, qui est en train de de voir le jour. Donc vraiment. On avait aussi parlé d'ailleurs de l'attraction l'étincelle euh, la malédiction de l'opale noire au futuroscope qui pareil avait droit à une exposition sur pas mal de personnages de super-héros français donc il y a vraiment tout un toute une euh, émulation en fait de ces personnages de, de la culture pop euh, ancienne et présente qui est en train de voir le jour moi je suis quand même plutôt chaud euh, de, de voir euh, parce qu'on a un premier logo euh, qui est apparu donc dans la revue professionnelle le film français il y a quand même hein, 8 épisodes de 52 minutes qui ont été commandés. C'est en pré-production ou en développement. Donc, euh, moi, je suis assez chaud de voir ça. Ah ben, je, suis, je suis content. Et Corentin, qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu? Qu Est-ce pas... que... Ouais. Est que tu en penses quelque chose? Pas vraiment. C'est vrai? Pas... Bah, J'aime bien aimer Cobble Kitchen. Donc, euh, pourquoi <rire> pas? <rire> Ils ont le nyctalope ou pas? Euh, le Nyctalope, mais justement, ça, non, ils n'ont pas bah, ils ont pas encore cool. acheté Alors, le Nyctalope, mais justement, c'est une héroïne parce qu'on dit souvent que le Nyctalope c'est ouais. le premier super-héros français, mais en fait, l'Oiselle précède de quelques années le, la création du Nyctalope. Ouais, le Nyctalope c'est The ce Shadow. Et c'est Batman, du coup. Donc, le Nyctalope, c'est vous plaît. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, ah, évidemment. Ah, voilà. Je sais pas. Je sais pas, non, pas bah, pour, euh, voilà, je connais pas le roman, je connais pas la, le personnage, je sais pas. Non, mais le roman, moi je vais le commander, par contre, clairement. Du coup, là, je, non, je, 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 je sèche. Euh, c'est très bien de vouloir faire du genre en France, cela dit. Voilà, on verra. Si c'est bien, je dirais que c'est bien. Deux femmes ont le pouvoir de voler, Vega Animal de Fort du siècle dernier et Mina recherchée aujourd'hui pour les pouvoirs. De la longévité que confère son sang de super-héroïnes qui tentent envers et contre tout de trouver leur liberté. Ça, c'est le synopsis officiel qui a été dévoilé par la production. Et donc, ça arrivera. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, oui. euh, on sait que d'ailleurs, chez Imaginaire Studios, il y a Xavier Fournier, justement, qui a écrit un bouquin sur les super-héros français qui est au, au, bah, au conseil, euh, en tant que conseiller artistique. Donc, vous l'avez compris. Vous, enfin, vous voyez où je veux en venir. Il y a des ponts faciles pour nous d'aller contacter pas mal de gens impliqués sur ce projet et donc, on espère pouvoir en parler avec toutes ces personnes d'ici à ce que ça mûrisse et que ça prenne vie. On espère pouvoir faire des podcasts avec tous ces gens-là parce que c'est plutôt cool. Corentin, du côté de l'actualité américaine maintenant, euh, les séries Silk, Spider Society et Spider-Man Noir euh, qui étaient en production avec Sony Pictures et Amazon Studios sont mises en pause à cause de la grève des scénaristes. En pré-production. Enfin, en pré-production, pardon. Euh, oui, effectivement, pardon, j'ai un petit coup de barre. Euh, oui, oui, donc tout à fait, effectivement, c'est la grève des scénaristes parce que le monde va mal, et euh, bah, c'est filler et Chris Miller qui sont donc les architectes de la nouvelle franchise Spider-Man, on va dire, à qui Sony Pictures a commandé euh, bah, les deux films, bah, les trois films Spider-Verse déjà pour commencer, et qui devaient superviser l'écriture, voire même créer en fait différentes séries qui partaient du Spider-Verse ou plutôt même d'une vision du Spider-Verse en image réelle. Donc les deux premiers projets qui ont été annoncés c'était Silk. Donc la série sur Cindy Moon, qui était la, la deuxi le deuxième personnage à se faire piquer par l'araignée de Peter Parker, euh, et qui après était enfermé euh, par Ezekiel pour échapper à Morlun, et puis qui a été libéré, et puis qui a eu ses séries à elle, qui a pas pris autant qu'elle aurait dû, je pense, parce qu'il y avait des petites séries sympas par, par Takeshi Miyazawa, qui est le mec qui va faire Kid Venom d'ailleurs. Euh, pas du tout, je vous raconte, je fais un gros mangame culturel débile là, non non, c'est un mangaka qui va faire euh, Kid Venom, ça n'a rien à voir. Sinon, ça aurait été intéressant. Mais donc, ouais, il euh, y a ça, et Spider-Man Noir, donc une série qui bah, est inspirée par le Nick Talop, hein, du coup, mécaniquement, euh, sur le Spider-Man, euh, le, le Pierre Parker euh, des années 30, euh, dans un contexte pulp, justement, volontairement inspiré par le Shadow, par euh, par tous ces personnages-là, justement, du début des des super-héros, entre guillemets, de radio, de sériels, de comic strip etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, euh, Filler et Chris Miller sont évidemment favorables à la grève, et même, d'ailleurs, favorable à un rapprochement ou à une extension de la grève à la, au syndicat des réalisateurs, parce qu'ils considèrent, eux, que le problème que représente l'IA, voilà, c'est le il faut bien le dire à chaque podcast maintenant, euh, bah se, pose, se pose aussi pour les metteurs en scène, puisqu'on sait très bien qu'effectivement la création d'images ne sera plus un problème un jour pour les logiciels d'intelligence artificielle. Si vous cherchez d'ailleurs sur Twitter, vous pouvez voir un débat entre euh, Platon et Bill Gates au sujet de l'IA, qui est créée par une IA. Vous avez deux visages en IA avec des voix créées en IA qui répliquent, qui récitent des, des arguments euh, d'IA, voilà. Et un mec qui dit le futur des podcasts et tout, voilà, avoir de, deux de PC qui se parlent en, im en imitant très bien des, des gens décédé Donc voilà, euh, ils ont décidé effectivement de faire la grève avec leurs potes. Là, ils finissent euh, *Beyond the Spider-Verse* en post-production. Une fois que c'est fait, ils ont prévu de prendre des vacances parce que voilà, bah, je crois que c'est Phil Lord qui euh, est père de deux enfants ou Chris Miller l'un ou l'autre qui ne l'a pas vu grandir, parce qu'il a fait que travailler pendant des années, des années, des années. Et là, il a envie de se faire un petit temps de repos avec sa famille, ce qui est bien normal. Et après ça, ben, ils vont rejoindre les piquets de grève. Donc, euh, bah, supposer que la grève sera encore en activité d'ici là. Donc, comme c'est eux qui euh, commandent les mini-rooms qui ont été faites pour Spider, enfin, euh, pour Silk Soci so 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 Spider Society, excusez-moi, et Spider-Man Noir, évidemment, euh, les deux séries vont être mises à l'arrêt. Et ils ont dit, voilà, ça avancera pas tant que, euh, tant que le problème n'aura pas été résolu avec la AMPTP. Donc voilà, enfin c'est compliqué effectivement d'avoir euh, d'avoir un avis sur ces deux projets parce que même si c'est Sony Pictures et Image Réel, donc en général on a une sorte de, de réflexe un peu pas de se dire ça va être nul. Euh, c'est quand même Phil Lord et Chris Miller, ils ont quasiment rien fait de mauvais dans leur carrière. C'est eux, hein, les pères de Spider-Verse, parce qu'on parle de Peter Ramsey, on parle de, de tous les metteurs en scène qu'on travaille dessus. Et évidemment, ils sont ils sont cruciaux, ils sont très importants. Mais la raison pour laquelle Spider-Verse 2 est aussi bien que le 1, alors que l'équipe créative concrète les trois réalisateurs a changé, c'est parce que c'est les mêmes architectes aux commandes. C'est Philard et Chris Miller qui commandent les équipes de la saga Spider-Verse et donc on a envie de leur faire confiance pour une éventuelle extension de ça dans des formats de série télé, dans euh, la, voilà pour, pour la plateforme Prime Vidéo en l'occurrence. Moi, j'admets que ça me préoccupe pas plus que ça parce que les séries vont mettre des années à se faire. Euh, Sony, ils sont occupés à d'autres trucs, à rater tous les films qu'ils font, notamment, euh, avec les personnages de, des vilains de Spider-Man. Là, on, apparemment, les premiers, les premiers échos sur Craven, bah, c'était mauvais, hein, sans surprise. Euh, ils ont Madame Web aussi à sortir. Enfin Bref, ils ont beaucoup de trucs à faire du côté de Spider-Man. Il y a Beyond qui va arriver ensuite pour la partie animée. Quelque part aussi, Marvel Studio travaille sur la série Fresh Manière euh, en animation aussi. Donc on n'est pas, voilà, on n'a pas un manque d'actualité Spider-Man ou Arachnéen en général qui pourrait nous faire dire, euh, bah allez dépêchez-vous, etc. même Venom 3 n'est même pas encore sorti, il est encore de tournage actuellement. Euh, donc voilà, ils peuvent prendre leur temps effectivement. Moi je trouve ça très bien que ces mecs-là se solidarisent, comprennent effectivement le danger et aillent participer à la grève des scénaristes dont on a déjà assez parlé dans les podcasts précédents. On va pas refaire un débat sur les IA à chaque émission. Parce que moi je les réécoute les émissions et je me dis qu'en fait. On tourne un peu en vase clos et à mon avis vous êtes probablement convaincu vous aussi de enfin j'espère euh, convaincu de ce phénomène là donc euh, voilà euh, on verra bien quand ça se fera très bien merci beaucoup Corentin et euh, du côté du jeu vidéo puisque toi c'est quelque chose qui <laughs> t'intéresse de plus en plus oui hein. bah, évidemment non mais t'as joué d'un coup d'œil quand même au trailer de Marvel ouais, Spider-Man 2 coup ouais. alors t'es chaud ou pas bah j'ai toujours pas fait le premier euh... alors ça c'est dommage quand même bah oui, il paraît qu'il était bien. Ben bah je, oui. je, bah je l'avais pris pour ma, ma copine, qui est une, une spider -Zouz. Et finalement, les faits ont fait qu'on n'a pas forcément, là, je lui ai pris du coup les gardiens, en l'occurrence. Ah. Et euh, parce que l'effervescence James Gunn et tout. bah il est sympa en plus, il est vraiment sympa Mais j'avais joué un peu et je trouvais la maniabilité super cool, le, le sentiment d'être l'araignée, etc. Je, juste, bah, j'avais pas le temps à ce moment-là de jouer à un jeu. Du mm. coup, maintenant je fais Far Cry 6, c'est vachement bien. Et euh... <laughs> mais en tout cas, il paraît qu'il est super bien ce jeu. Donc, c'est insomniac. Ouais. Nintendo fait... Games. Euh... Et Infamous. Oui, j'adore Infamous. Bah, c'était trop bien. Hein. Bah, voilà. Donc, je suis convaincu. Tu vois, je suis, pas, je suis pas hostile aux jeux vidéo. Mais est-ce que t'as regardé le trailer Mais j'ai regardé le trailer. Ça a l'air très bien. Parle-en hard. Ben on voit, euh, ben en fait, ce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit vraiment euh, l'influence, vu qu'il y aura Venom dedans, mais il y aura quand même apparemment une partie euh, dans laquelle on jouera un Peter Parker euh, addict euh, au costume noir. Et ça va avoir des incidences sur le gameplay. Enfin, en tout cas, le, le, le ressenti des coups, ça devrait pouvoir changer un peu ses, euh, bah, sa, sa panoplie de coups. Euh, et euh, surtout, bah, il y aura Kraven aussi, il y aura Craven dans les, dans les ennemis. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a ça, ça pas l'air de changer peut-être qu'on s'en doute un petit peu mais que ça n'a pas l'air de changer radicalement la donne après tu as quand même le plaisir de se dire qu'en fonction des missions tu vas de toute façon pouvoir contrôler et Peter Parker ou Miles Morales je ne sais pas si tu pourras changer peut-être entre les deux euh, in-game entre les missions tu vois par exemple juste pour faire des objectifs séparés des missions secondaires qui seront bien distinctes ou, euh, ou mmh. que tu veux aborder enfin j'espère parce que qu'il fera un scénario pour les deux à la GTA V Ouais, mais j'aimerais bien, c'est un changement où tu pourrais, c'est ça, changer de personnage comme dans GTA V euh, en... dès que tu veux, quoi, en fait. Donc, bah, on les appelle tout de suite Allô, Insomniac Allô, oui. Arnaud bonjour. a eu une idée. C'est ça. <laughs> ouais, bah, j'imagine qu'ils ont réfléchi quand même, hein, vu, les... vu le nombre de personnes qui sont au travail là-dessus. On est d'accord que le moteur n'a pas vraiment, enfin, pas beaucoup évolué, quand même. Non, mais après, le jeu était déjà très beau. C'est pas une exclusivité PS5 là si. Euh, je sais pas s'il sera pas aussi sur PS. Je crois qu'il est quand même que sur PS5 hein. Je ah trouve, ouais. je suis pas sûr qu'il le mettent sur PS4. Je trouvais déjà que le je me rappelle plus enfin la donne Max Morales était de ce que du peu que j'en ai vu hein, évidemment. était pas forcément un bon graphique colossal euh, par rapport à, à la version qui était déjà très belle hein, Non mais après il était sur PS4 aussi pour ça quoi. OK, d'accord. Donc euh... Je t'avoue, j'ai un vrai bug sur le fait de savoir s'il est exclusif à la PS5 ou s'il y aura quand même une version. C'est plus possible. Il y a plus de jeux qui sortent sur PS4 de toute façon. la fini. Oui, oui, non, mais je. Je pense que moi, vu que j'ai si plus je la PS4. Après, moi, je... je trouve pas que en général que la PS5 soit vraiment le, une, un énorme bond en avant. Mais Parce que, en vrai, le trailer n'a pas paru beaucoup plus beau que ce que j'avais vu en jouant à l'époque. Peut-être que là, la ville sera plus riche. Ouais, sûrement, peut-être. Oui, j'espère je, bah qu'ils vont, parce qu'il y avait quand même des limites dans le gameplay sur le fait que c'était quand même très Ubisoft-like dans, dans, dans beaucoup de choses et qu'il y a sûrement des, des choses à, des trucs à revoir, ou même que dans, dans le gameplay, je pense qu'en termes de coûts, il y avait peut-être des, des améliorations à faire mais euh, ça, ça pourrait être bien d'avoir même un limite d'émission que tu fasses en coop avec quelqu'un que tu puisses jouer euh, un, un peu à la Gotham Knights du voilà, coup mais, ouais, dire, mais en fait, c'est un jeu qu'on de faire ça euh... Oui, mais maintenant, faut le faire bien en fait c'est pas oui, c'est pas dur. Si c'est si bien pensé dès le départ et que c'est pas pour tout le jeu forcément, mais que pour certaines missions, tu peux inviter quelqu'un à faire Miles Morales en, en compagnie. Je pense que ça peut être super cool, notamment pour faire des, des combos à deux à, à deux Spider et tout ça, quoi. Mmh. Avec le chat de Miles Morales. Aussi, effectivement, il y aura le, le Spider Cat dans, 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 le, dans le sac à dos de Miles Morales. Bref, ça arrive a priori cet automne, hein, en septembre que c'est prévu et ça reste quand même une grosse attente pour les fans de comics et de super héros dans le secteur du jeu vidéo et on termine ce podcast avec l'unique pardon actualité autour de TMNT Mutant Mayhem. À l'heure où on enregistre ce podcast, il y a un nouveau trailer qui vient de tomber, mais on n'a pas pu le regarder puisqu'il vient littéralement de tomber il y a 5 minutes qu'on enregistre. Donc on vous en reparlera la prochaine fois. Mais une bonne nouvelle quand même pour le film, c'est qu'il y aura ton chat à la euh, bande euh, bande son. Mon chat à Reznor. Ah oui. J'ai jamais dit qu'il y aura David Bowie dans le, dans le générique. Euh, alors bon, bah, c'est pour ceux qui ont pas la blague. Euh, J'ai deux chats. L'un s'appelle Bowie pour David Bowie, l'autre Tresnor pour très nord Voilà, il est noir, l'autre est roux. C'est trop mignon. Euh, effectivement. Donc il faut savoir il de que Tresnor est très con, par contre. Voilà. Hein? Il faut savoir que Tresnor est très bête. Hein. Bah, il est handicapé en fait. Il a, il a arrête, pas... de... arrête de dire qu'il est handicapé. Non, mais il faut que je trouve le nom de ce syndrome. Mais il a une paralysie du bas de la colonne vertébrale et euh, il a un des problèmes un peu mentaux, Mais bref, il est adorable, il est trop mignon. En tout cas, c'est le meilleur chat de la terre. Et les, le, le, le voilà. La, la bile d'Arnaud glisse sur les, les rails de demande inconséquence ou je sais pas quoi. Euh, donc 13 Nord, voilà, pour euh, expliquer l'actualité. Arnaud, ce que tu n'as pas fait d'ailleurs, c'est vraiment euh, es vraiment qu'une merde. Euh, et Atticus Ross vont faire la bande-son de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Et mine de rien, c'est quand même une une grosse actualité, parce que même si j'ai conscience que ça parle particulièrement aux, aux gens qui connaissent très bien le, le milieu de la, bah de la musique électronique, en un sens, j'allais dire, la musique industrielle et de ce couple de producteurs, créateurs, artistes, euh, qui travaillent ensemble sur le, le groupe Nine Inch Nails, donc qui est un faux groupe au départ, Nine Inch Nails, c'est un groupe de rock industriel qui a évolué en métal industriel dans les années 90, c'est lui qui, donc très très nord, qui a lancé euh, notamment Marilyn Manson à l'époque, personne n'est parfait, euh, qui a fait une très très grande carrière musicale, voilà, qui a été euh, salué par énormément de gens, et après ça, il a commencé à bifurquer euh, du seul pôle Nine Inch Nails pour faire effectivement de la musique de film, notamment chez David Fincher. Voilà, C'est lui qui a fait la bande son exceptionnel hein, vraiment de euh, Social Network, le film de David Fincher ils sont restés potes d'ailleurs lui et Fincher parce qu'ils ont fait ensuite Gone Girl ensemble et le film Manque qui est la biographie du scénariste de steven Kane qu'Arnaud a vu euh, il est pas là, je peux l'insulter là c'est bon euh, Arnaud est là Il est pas là donc <laughs> donc effectivement voilà, c'est avec ce film là qu'ils se sont fait connaître à Hollywood puis ils ont fait différentes productions euh, qui ont très très bien fonctionné euh, sur le plan musical, ils ont obtenu plusieurs plusieurs Oscars de la, de la bande son euh, ils ont fait notamment le film Soul enfin la bande de la musique du film Soul des studios Pixar qui était déjà très très différent de ce qu'ils avaient fait au début ils ont fait la bande son de la série Watchmen de Damon Lindelof et euh, qui était pareil un super travail qui était vachement inspiré par le le projet Ghost 1 à 4 qui est un album de enfin un quadruple album de Danny Chales avec des, que des plages musicales sans sans voix sans sans paroles sans sans couplets et tout donc euh, voilà, peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais de quoi il me parle Mais grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est c'est de très grands compositeurs de musique de film doublement Oscarisés, et effectivement, qui ont un style qui n'évoque pas du tout les Tortues Ninja. Alors évidemment, voilà, ils, ont, ils sont modernisés, ils ont une palette qui ressemble de moins en moins à ce qu'ils faisaient au début. Si vous écoutez Manque, c'est vraiment des nappes très à l'ancienne, qui font très Orson Welles, qui font très euh, bah, ces films un peu angoissants des années 40-50, euh, qui ressemblent pas spécialement à la bande son de Social Network ou de Gun Girl. Euh, si vous voyez Mid-90s aussi, il a fait, euh, ben ils ont fait quatre morceaux pour la bande-son de Mid-90s de John Hill, Très bon film sur la jeunesse de John Hill quand il était un peu skater. Euh c'est lui qui l'a réalisé, c'est hyper bien. C'est chez la 24. Et euh, voilà, donc Soul, qui était effectivement pareil, un taf absolument merveilleux. Donc c'est vraiment pour, on va dire, la niche de fans que quelques personnes qui sont fans de ce genre de musique-là représentent. C'est comme si je vous disais, c'est un peu le Hans Zimmer de la musique... Euh, un peu ouais, électro-angoisse, euh, un peu vaporeuse, un peu... Euh, comment dirais Arnaud et moi Nébuleuse, voilà j'ai envie de dire nébuleuse. Et écoutez d'ailleurs ce que toutes ces sur Spotify, écoutez tout ce qu'ils ont fait, réécoutez vous Watchmen, par il y a des morceaux qui sont géniaux, euh, écoutez peut-être si ça vous intéresse la reprise du thème de Halloween par euh, The Carpenter, par euh, Train 13 Nord. écoutez tout, tout Train 13 Nord en général de toute façon, et euh, j'ai très hâte de voir comment est-ce qu'ils vont restituer l'ambiance hip-hop et un peu funky des Zorky Ninja. parce que le film a l'air. De vraiment coller à cette espèce d'esprit de, générationnel. C'est les tortues, c'est le skate, c'est les rues, c'est le tag, c'est New York, etc. Donc, il faudra que la bande-son se, se colle à ça. Ils ont jamais fait un truc pareil. À part un peu Mid90s mais qui était quand même vraiment très mélancolique et tout. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est une putain de nouvelles, en vrai. Mmh. C'est en plus d'ailleurs cette année, on va voir que des grosses bandes-son. Le film Barbie, il aura une bande-son incroyable. Spider-Verse 2, bande-son incroyable. Et la Train 13 Nord et Atticus Ross sur Tortue Ninja, c'est vraiment, moi, je vis un. Je vis un rêve éveillé. C'est le, le euh, film euh... qui a tout pour lui pour l'instant, en fait. Mais grave, euh... franchement, mais, 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 les, les deux, Spider-Verse et lui, c'est mmh. vraiment, l'anime revient en force et, et on voit que de plus en plus de gens très compétents commencent à graviter autour, quoi. Genre, Daniel, Daniel Pemberton qui fait la bande-son de Spider-Verse, on l'avait un peu découvert tous à l'époque. Enfin, en vrai, sur le King Arthur de Gary Cheat, était très bien, tu vois. Mais depuis, ça devient vraiment un compositeur qui compte. Et ouais, ça, c'est, cool de voir que même ce, ce, cet aspect-là des choses est travaille. travaillé. Parce qu'on mmh. le rappellera quand même jamais assez, les bandes-son de Marvel Studios ou même de décès très souvent c'est générique on mmh. se souvient pas des thèmes on est à peine dans la musique quand elle démarre on s'en fout c'est juste de l'accompagnement les grandes bandes sons à l'ancienne à la Hans Zimmer justement à la à John Williams euh, tous ces trucs là à la Howard Shore à la Clint Mansell ça se perd un peu dans le cinéma de commande en fait mmh. et du coup là à l'inverse ça revient encore une fois par le prisme de l'animation euh, comme pour Saul et je suis trop bien mmh. voilà tout à fait un point de vue que je partage Ouais. Complètement. Sauf la partie où t'étais pas là. Sauf la partie où <laughs> j'étais effectivement parti répondre au téléphone. Il s'en passe des choses dans ce podcast. Oui. C'est difficile de, de pouvoir se trouver une heure et quelques sans être constamment, constamment, pardon, interrompu. Mais on a réussi à le faire quand même. Et oui, c'est Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous l'avais dit, ce sera un front page relativement court, une petite heure et quart. Voilà, entre notre compagnie, on espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir aux différents sujets dans les commentaires du site et à partager l'émission sur les réseaux sociaux. Et on vous rappelle aussi que nous avons notre page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous soutenir. N'hésitez pas à y faire un tour. Euh, C'est normal, il y a de la l'attrition chaque mois. Là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais alors, on remercie <laughs> d'autant plus les personnes qui sont encore et toujours là. Mais si vous voulez faire un petit geste pour l'été qui arrive et nous aider à voir l'avenir du podcast sur le long terme, eh bien, on sera ravi de pouvoir compter sur vous. En tout cas, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut